Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nuria TV, je suis Guillaume. Alors les amis, je sais, ce soir, ce n'est pas moi que vous attendiez à l'antenne, puisque c'est Nora qui devait co-animer cette émission, mais aujourd'hui, Nora est tombée malade, elle n'a plus de voix, donc on lui envoie plein de gros bisous, et ben, faute de Nora, c'est Guillaume qui va animer, co-animer ce soir l'émission, donc je suis très content de vous retrouver, quoi qu'il en soit. Merci les Nuriens qui nous avaient rejoints sur le chat, un gros bisou à toute la team Modo, et pour ce live, et ben, écoutez, j'ai le plaisir d'accueillir sur l'antenne de Nuria TV, l'auteur de ce magnifique ouvrage, c'est Mohokta qui nous rejoint. Il est accompagné de Romain Priou, notre ami Romain qui va co-animer cette émission avec moi, et je le remercie par avance. Mohokta, pour celles et ceux qui ne situent pas, vous avez pu admirer ses œuvres à travers les nombreuses émissions que Romain nous a proposées. Toutes ces illustrations magnifiques que vous avez découvertes sur les affiches d'émissions et dans le contenu des émissions, c'est lui l'auteur. Ce soir, on va découvrir un peu plus de ses créations et voir ce qui se cache derrière ses créations. Moi, j'ai hâte. J'espère qu'il en va de même pour vous. Les amis, esquisse de mu, je vais y arriver, avec Mohokta, c'est tout de suite et c'est sur Nuria TV. Nous voici de retour sur l'antenne de Nuria. Mohokta, Romain, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous accueillir parmi nous. Mohokta. Ben merci à toi déjà, Guillaume. C'est très gentil. Merci à Nuria d'être là. Et merci, mon Romain, d'être présent aussi pour ma toute première présentation de quoi que ce soit sur une chaîne YouTube. Eh ben écoute, c'est une première, ça se fête. Nous, on est très fiers de t'accueillir, Mohokta, parce que bah, tu nous as gratifié de créations qui sont tout simplement magnifiques. Je pense que je ne suis pas le seul à m'être régalé quand Romain nous faisait ses présentations sur la Lémurie, sur Mu, de se dire mais qui se cache derrière ces illustrations qui sont tout simplement géniales. Et ce soir, ce qu'on va découvrir, c'est que ce ne sont pas que de simples illustrations. Il y a toute une... L'envers du décor derrière le théâtre, qui fait ces créations, pourquoi et surtout comment. Et c'est ce que tu vas tâcher de nous expliquer ce soir. Et puis Romain, bah, content de t'avoir à nouveau sur notre antenne. Cette fois-ci, ce n'est pas toi qui nous a préparé une présentation, mais tu vas mettre d'un grand soutien sur un dossier que tu connais nettement mieux que moi. Bah, merci Guillaume, bonsoir à tous, bonsoir Yvan. Bah, oui, c'est un grand plaisir de t'accompagner. Et puis bah voilà d'aller comme tu le disais plus en profondeur de cette histoire que va nous conter Yvan et qu'il a retranscrit dans ce magnifique ouvrage et ses dessins qui bah voilà moi m'ont beaucoup aidé à montrer des choses que je ne pouvais pas montrer avec des photos ou d'autres visuels. Ça peut être utile des fois d'avoir ce soutien-là artistique pour mettre en forme ce qu'on a dans la tête. Mohokta, je vais afficher, tiens, pour que les gens le voient mieux, la couverture de ce livre donc, qui est paru très récemment, Esquisse de Mu, Souvenir antérieur. Déjà, ça donne quelques précisions sur l'origine de ces dessins. C'est un livre que tu nous proposes, avec la participation de noms qu'on connaît plutôt bien par ici, puisqu'il y a notre ami Manuel Terrac, qui est lui aussi graphiste et qui fait aussi d'excellent travail. Franck Ferrandis, qu'on n'a pas encore reçu sur Nuria TV, mais dont j'ai entendu le plus grand bien sur les travaux qui étaient les siens. Et puis Romain, qui a contribué aussi à l'ouvrage. Comment s'est déroulée l'écriture de ce livre, qui n'est pas un livre d'écriture, j'allais dire, le façonnage de ce livre, parce qu'on n'est pas dans un livre écrit. Là, on est sur un recueil d'esquisses en rapport avec la célèbre et légendaire Mu. Tout à fait, Guillaume. Alors, le pourquoi de ce livre. L'idée était au départ, en fait, au-delà du travail sur lequel on reviendra avec Romain, vous expliquer comment on a pu se rencontrer et comment ce travail-là a pu se faire, notamment sur Nuria TV. L'idée de ce livre, c'était de poser une première pierre pour un projet un petit peu plus grand, que j'espère pouvoir mener à bien, qui serait dans un premier temps de raconter donc, une vie antérieure qui se déroulerait à la fin de Mu, du temps où Mu existait encore. Ensuite, sur une deuxième partie,
sur ce qu'on appelle le trajet, enfin ce que Church Ward appelle le trajet des Nakal, qui seraient en fait les survivants de Mu. Sachant que moi, le trajet que je compte raconter est un trajet, je crois, inédit. Il me semble ne l'avoir jamais vu nulle part, ni vu ni lu. Et enfin, une troisième partie qui serait un peu plus contemporaine, qui me faut encore travailler. Là, je ne peux pas trop en parler pour le moment. Sinon, vous dire par rapport à ce livre, comment il est composé. Déjà, je tiendrai à vous préciser une chose. Les visuels que vous allez voir ce soir ne sont pas les visuels du format carré que vous a montré ou que vous voyez à l'écran. Elles viennent en fait de la toute dernière version qui est sortie il y a 2 jours, qui est celle-ci. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une énième version pour vous faire payer plus ou je ne sais quoi du tout. C'est juste en fait une version qui me ressemble plus, sur laquelle j'ai pris plus de temps, mais du coup, c'est plus espacé, il y a plus de pages et le coût s'en ressent. Maintenant, vous pouvez voir, pour celles et ceux qui ont d'ores et déjà acheté la version en format carré, qu'il n'y a pas d'ajout réel dans le livre. C'est juste une mise en page autre. Voilà. Ce n'est donc pas la version collector avec la mèche de cheveux dedans. Non, pour non, un non, clonage en bonne et due règle. non. Alors, si vous voulez cloner quelqu'un, ne me prenez pas moi. J'ai trop de problèmes physiques. C'est pas une bonne idée. Quelle modestie. Quelle modestie. Ah, c'est très très mauvaise idée. Avant Donc que... voilà, le livre est construit comme ça. C'est-à-dire, il y a comme moi, au départ, je n'avais que des esquisses. Que des esquisses. D'ailleurs, attendez, bougez pas, je vais vous montrer. Moi, au départ, je travaille assez simplement sur des formats A4, au crayon, tout ce qui est plus simple. J'espère qu'on voit à peu près correctement. Voilà, j'avais montré ça sur un festival avec moi. On va en reparler un petit peu plus tard. Et du coup, il y a eu tellement d'engouement, et j'ai eu des amis qui n'ont pas arrêté de me quicher pour faire un livre, sauf que je ne me voyais pas éditer un livre avec juste des illustrations, sans texte, sans expliquer de quoi de qu'est-ce. D'où le chapitre que là vous voyez à l'écran, qui s'appelle Souvenirs antérieurs, qui est une théorie que je défends, qui, alors c'est une théorie qui essaye de rassembler plusieurs notions, à la fois la notion de vie antérieure, mais aussi de mémoire génétique, et d'une manière plus large sur ce qu'on appelle la conscience. Après, moi, toutes les références que j'ai mises dedans, je peux en citer au moins quelques-unes, comme Philippe Guillemant, zut, bravo, vive la préparation, désolé. On a Donc tous le voilà, droit c'est d'avoir des petits ce coups que... de mémoire sur les noms. Moi, je fais ça tout le temps. Juste ce que je veux dire, c'est que toutes les références qui sont dedans sont des références mainstream. Ce sont des connaissances liées à des faits, à des recherches scientifiques, tout ce qu'il y a de plus normal et classique. Il y a juste que je me suis rendu compte que la plupart des personnes en France ne sont même pas au courant de ce qui est aujourd'hui connu de l'univers de la science. Vous pouvez commencer par la page Wikipédia pour vous faire une idée, et si le sujet vous intéresse, à ce moment-là, il y a des tas de sites où vous pouvez aller véritablement creuser sur comment ont été faites les recherches, comment, enfin voilà, tout leur package. Ensuite, j'ai eu l'immense honneur, le plaisir, je ne sais même plus comment vous le dire, les mecs, d'avoir la participation de trois merveilleuses personnes que tu disais, Guillaume, il y a Manuel Terrac, Franck Ferrandis et Romain Priou, pardon, comme tu es là à l'écran. Merveilleux, merveilleux, ça me va bien. Je te remercie, Oui, oui. Mais tous les trois, vous merveilleux êtes merveilleux. Romain Après le fantastique. voilà qui m'ont. Pour la petite anecdote, Manu et Franck m'ont fait un cadeau, mais juste génialissime. Au début, je voulais utiliser simplement une de leurs illustrations en tout petit, en vignette, pour illustrer le propos du texte. Et les deux m'ont renvoyé en message un WeTransfer avec 4, 6 planches en plein pot. Et du coup, elles sont dans le livre. Elles C'est participent cadeau. complètement à la théorie. Ça fait partie du très grand plaisir que j'ai à travailler avec ces trois personnes. Alors, autant, certes, il y a une question d'argent où on vous propose un objet qui, je crois, est assez beau, il me semble. Mais surtout, on a cette vision que certaines connaissances, pour nous, n'ont pas à être payantes. Pour nous, elles se doivent d'être gratuites et d'être diffusées.
Je sais pas ce que t'en penses, mon Romain. Bah écoute, en tout cas, moi, ça fait partie de ma démarche sur Nuria TV, hein. Enfin, c'est vrai que les émissions que je peux proposer sont très conséquentes, beaucoup, beaucoup d'informations, des centaines d'heures de travail. Mais ça, c'est un peu, enfin, je sais pas comment le dire, instinctivement, je sais que c'est du travail que je ne dois pas faire payer ou je ne peux pas me faire rémunérer sur ce type de travail. Donc, ça me coûte en temps et en énergie et j'adore le faire. Mais effectivement, de mon point de vue, enfin en tout cas dans ma pratique, c'est quelque chose qui ne doit pas être rémunéré. Ah ben c'est, enfin, là-dessus, je suis, enfin, je sais pas comment vous dire. Quand je vois le nombre d'heures sur lesquelles on passe pour ces sujets-là, que ce soit Manu, Franck ou toi, ben moi j'ai envie de dire, génial les mecs, je crois qu'on est dans la bonne vibes. Parce qu'à un moment donné, pourquoi faire payer des choses que nous, on n'a pas à payer pour avoir? On n'est pas les auteurs de ces idées. C'est après, on défend certaines convictions, chacun, mais enfin voilà. Enfin, pardon. Juste, Je, justement, mais oui? petite parenthèse intéressante, mais justement, on va donner une première clé de lecture de ce qui va suivre dans l'émission. Tu disais des informations qu'on ne paye pas pour avoir. Ces dessins que tu nous proposes bah, à travers les émissions de Romain et en particulier qu'on retrouve dans ce livre-là, ces dessins, est-ce qu'on est sur une inspiration classique, c'est-à-dire comme moi, je vais prendre mon beau crayon, ma belle feuille et me dire, tiens, je vais dessiner un platane? Où on est dans une autre démarche, il y a une autre source d'inspiration, et si oui, est-ce que tu peux déjà nous en dire quelques mots, même si tu m'en reparlais plus en détail au cours de ta présentation? Alors effectivement, moi, ça c'est un des grands trucs de ma vie d'artiste, que ce soit peintre, dessinateur, peu importe. Je ne sais pas inventer. C'est-à-dire, je peux faire des constructions mentales, bien sûr, comme tout le monde, mais la question de l'invention, de la création, je n'ai jamais su ce que c'était. Tout ce que je fais, c'est parce que je le vois. Si je ne, c'est ce que j'ai écrit en quatrième de couverture, c'est soit je vois l'image, soit je ne la fais pas. En fait, si j'essaie, si je me contrains à vouloir vraiment construire l'image, à faire preuve d'imagination, diront certains, mais ça va paraître complètement décalé, comme collé. Et donc, du coup, j'évite de le faire. De quelle manière? Parce que on a l'habitude de recevoir des médiums, des channelers, divers gens en contact avec des informations issues, on va aller pour parler simplement de l'invisible. De quelle manière cette inspiration se manifeste à toi? J'ai souvenir de mon ami Laurent Boulanger qui est médium, qui parlait comme une télévision qui s'allumait à l'intérieur. Toi, comment ça se présente concrètement pour que les gens comprennent bien bah, comment ça se passe pour toi? Alors, vaste question, j'ai envie de dire, au sens où, concrètement, moi, depuis tout jeune, je vois des choses que les autres ne voient pas. Donc, en soi, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de souci. J'étais un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Pour moi, tout était normal. Enfin, je voyais des choses. J'avais des parents extrêmement ouverts et extrêmement cultivés. Donc, pour eux, ils n'étaient pas dans le clash avec moi. Ils se disaient, ben, on laisse vivre sa vie d'enfant. C'est arrivé à l'adolescence où c'est devenu beaucoup plus compliqué pour moi, puisque tout d'un coup, je me suis retrouvé. Je vais vous donner une image. Imaginez un seau. Vous prenez plusieurs pots de peinture de plusieurs couleurs différentes, sachant que chaque pot représenterait le souvenir d'une vie, peu importe de quand, de où, de machin. Vous prenez tous les pots, vous les versez dans le seau, et vous prenez le seau et vous le versez sur la tête de quelqu'un. Eh ben moi, les vies antérieures me sont arrivées comme ça. C'est-à-dire que environ vers l'âge de 12 ans, je me suis retrouvé avec tout un tas d'informations, toutes mélangées, toutes. Oh là, c'était une horreur. Tiens, on va passer à la slide d'après. Voilà le dessin que vous voyez sur la gauche de l'image, c'est justement, j'ai essayé de représenter cela. C'est-à-dire que j'avais un certain nombre de vies qui arrivaient dans ma tête et tout était mélangé. Je n'arrivais pas à faire le tri, concrètement. J'ai mis plus d'une vingtaine d'années pour vaguement arriver à dire, ben ça doit être cette vie-là, celle-là, ça. Enfin voilà. Très très compliqué pour moi à l'époque. Surtout qu'en plus de ces vies antérieures, sachant qu'à l'époque, moi je parlais pas forcément de vie antérieure. Je savais pas en fait ce que je voyais. Concrètement, je suis allé faire des recherches sur des questions de préceptes ou de religion qui parlaient de ces phénomènes-là.
et aucune ne m'apportait de réelle réponse. À chaque fois, quand il me parlait, ça ne me parlait pas. J'étais là, je dis, de quoi et, et juste, à quel âge ça a commencé, Yvan, tes visions, enfin, ce que t'as, tes peaux là, qui sont tombées sur la tête? Je te dis, c'est aux alentours de 12 ans. Ok. Aux alentours de 12 ans. C'est pour ça que j'ai laissé la date circa 94, sachant que moi, je suis né en 81. Donc, c'est aux alentours de, là, pour le coup, ça serait 13 ans. Et concrètement, ouais, 12, 13, par là. Donc là, là, ce qu'on voit à l'écran, ce que tu as dessiné, c'est vraiment à cette époque-là. Oui, pardon, mon Dieu. Dans la première partie, là où j'ai écrit un petit texte pour expliquer d'où, de quoi, de qu'est-ce, de qui je suis et pourquoi je suis là et qu'est-ce que vous allez voir par la suite. Mmh. Voilà, tous les dessins sont les dessins d'époque. Alors, on m'a dit qu'il ne fallait pas que je dise que j'avais eu la chance que ma mère décède à son âme. Et c'est vrai, ça, c'est qu'en fait, du fait du décès de ma mère, on s'est retrouvé à ranger tout l'appartement dans lequel étaient mes parents. Et j'ai retrouvé tout un tas de dessins de l'époque. Mmh. Et ça, tous les dessins qu'on va voir, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour pas trop traîner parce qu'on a quand même pas mal de slides. Là, voilà, à chaque fois, j'ai essayé de remettre les dates approximative du moment où je les avais réalisés. Et c'est ce que je voulais dire, Guillaume. Oui, pardon. Pardon. Non, c'était pour venir sur l'idée de confusion dont tu parlais, que là, les dessins qui vont venir, ça matérialise cette confusion qui, en tout cas, était dans ta tête à l'époque, que tu as retranscrit dans ces dessins. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de sens global à ce qu'on voit. En fait, c'est tu as mis les dessins les uns sur les autres. C'est du mélange. En fait, surtout là, tout de suite, comme il n'y a pas de texte à côté, on a du mal à faire le lien. Forcément, mais et donc pour dire juste parce que c'est le seul moment où j'en parlerai ce soir parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur Mu et tout ça, c'est que en parallèle donc de ces vies antérieures qui me seraient venues à ce moment-là, c'est aussi développer ce que certains appellent le corps astral avec les voyages astro et ce genre de choses où je pouvais rencontrer des êtres assez particuliers. Je pense qu'on peut en convenir. Voilà. Oui, on les croise pas tous les jours à l'arrêt de bus, je confirme. Moi, j'en croise régulièrement. Enfin, les félidés, fait un moment que je les croise. Ce sont des gens très gentils avec moi. Voilà. Là, ça, c'est des êtres dans l'invisible. Hein. C'est ce qu'on on est d'accord. C'est des. Parce exactement. Là, dans le lit, c'est toi qui en décorporation là, ou. Voilà, exactement. Là, ce serait. Enfin, c'est une vision idéalisée d'un gamin qui dessine. Enfin, d'un gamin. J'étais plus trop gamin à cet âge-là, mais un jeune adulte. Donc, la vision de ce jeune adolescent, hop, son corps part vers le haut. Bon, à l'époque, j'avais une copine qui m'avait parlé des livres de Werber. Je me souviens plus de son prénom. Oui, voilà, avec les fourmis et tout le cycle, voilà. Que j'avais trouvé assez intéressant. Il y avait certaines pistes que je trouvais très bien. Après, d'autres avec lesquelles j'étais moins raccord. Ou du moins, j'y voyais moins de corrélation avec ce que je pouvais voir. Là, par exemple, en haut, c'est censé être moi, enfin, la vision du corps astral. Et en fait, tous ces êtres sont rencontrés dans ce que certains appellent l'astral. D'autres l'appellent mundus imaginalis. D'autres l'appellent inconscient. Enfin, il me semble que, dans tous les cas, on parle à peu près de la même chose. Est-ce qu'on peut cette parler espèce... de guides spirituels ou d'êtres qui sont là pour te conseiller ou c'est juste des apparitions Alors là-dessus, je suis désolé si parce que je souhaiterais ce soir éviter de heurter qui que ce soit. Alors moi, j'ai jamais eu d'êtres de lumière qui viennent me parler ou ce genre de choses. Voilà, j'ai vu des êtres qui brillaient, mais non. Enfin, il venait pas me dire, oui, tiens, va propager la parole. Non, c'est, on discutait. Ou des fois, on parlait pas du tout. Par exemple, là, l'être qui est complètement à droite, qui est une espèce d'être arbre, lui, même pas, il m'a parlé. Il est passé devant moi et allez, basta. D'accord. Ok, bon, t'es là. C'est cool. J'ai envie de dire. Ouais, non, il y a plein de visions, comme je vais le dire assez régulièrement ce soir, il y a plein de visions pour lesquelles je n'ai aucune explication. Et comme j'essaye d'éviter justement de faire ce que j'appelle de la construction mentale, c'est-à-dire essayer de relier les fils, parce que je crois que c'est souvent là que les gens font des erreurs et vont s'enfermer dans certaines idées qui, à mon avis, sont pas très bonnes, au mieux.
Juste là, c'était pour parler de la question de la mémoire génétique. Je vous le fais en super rapide. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai eu des parents géniaux. Une mère qui était fan d'art et amateur en peinture. Et du coup, comme beaucoup de gamins à l'époque dans les années 80-90, j'étais fan de plein de dessins animés, on en a parlé, Guillaume. Et du coup, elle m'offre, elle me dit, bah, tiens, je vais lui faire plaisir, je lui offre un premier set de peinture chinoise et un livre pour apprendre. Sachant que le livre, c'est un livre écrit par des Français pour des Français. Donc, il n'y avait aucune posture ou technique spécifique expliquée dans le livre, juste des exemples de peinture. Et alors, je ne sais pas pourquoi, je me suis installé directement comme ça, c'est-à-dire en tailleur, sur un tabouret, ce qui n'est pas franchement pratique, même quand on est jeune. Et j'ai tenu le pinceau chinois comme ceci. Sachant que là, vous avez là, c'est la feuille de l'époque, le dessin d'époque. C'est, en fait, pourquoi je parle de ça, c'est qu'on a appris que beaucoup plus tard, que c'était la méthode traditionnelle asiatique, enfin des calligraphes chinois ou japonais. D'accord. Et du coup, sachant que moi, j'étais, enfin, comme je vous dis, on n'y connaissait rien. Avec ma mère, on peignait, on faisait du Magritte, du machin. Ah, ça, on a oublié d'en parler, pardon. Oula. Pourquoi le dessin à la peinture chez Yvan, enfin, chez Mokta, pardon. Oui, mon nom, c'est Yvan Seguier, mais pour les œuvres, je préfère qu'on reste sur du Mokta, parce que je suis pas sûr que vous ayez besoin de savoir, je vais chercher mes gamins à l'école. Il me semble qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Un nom d'artiste, ça fait quand même vachement. Voilà. On n'y connaissait rien. Non, pardon, j'allais faire une petite. On n'y connaissait rien chez toi, ou en Nippon, ou en Nippon, on n'y connaissait rien. Je commence doucement. Je suis désolé. J'ai trop d'amour pour la culture asiatique pour valider cette blague. Écoute, du temps qu'on est dans les blagues, celle-là est un peu meilleure. Il y a Lorraine qui nous dit la chance, pour revenir au dessin que tu nous montrais de ces personnages que tu as croisés dans l'astral. Lorraine nous dit la chance, il a croisé je s'appelle Groot, je suis jalouse. Effectivement, il y a un petit côté je s'appelle Groot. Sachant qu'à l'époque, Groot, il n'existait pas. Les Gardiens de la Galaxie, ce n'était pas encore d'actualité. Non. Oui, ça aussi, ça on peut le dire. Attendez, juste je termine avec l'histoire du dessin de la peinture. On est j'ai eu une très grande chance quand j'étais en maths. Non, mais ça va bien là. C'était promis. J'ai eu une très grande chance quand j'étais en maternelle, j'avais 3 ans, j'ai eu la chance de voir une exposition complète itinérante de Pablo Picasso. Et ça a été un véritable électrochoc dans ma vie. De ce jour-là, je n'ai pas arrêté de peindre ou de dessiner. Voilà, juste pour l'explication. Donc on reprend. Donc effectivement, je connaissais rien du tout à la technique de calligraphie chinoise ou japonaise. Et pourtant, mon corps savait le faire. Sachant que moi, je n'ai aucun souvenir de cette période ou d'une vie antérieure qui serait en lien avec le Japon ou la Chine, l'un ou l'autre. Voilà, on arrive sur la fin. Comment tu l'expliques, ça ? Alors, moi, pour vous expliquer comment je fais la distinction entre ce que communément on appelle vie antérieure, mémoire génétique. C'est un peu comme faire la différence entre le souvenir d'un rêve et un souvenir de vie. C'est une question de sensation. Et j'ai cette très grande chance, j'ai une sensation distincte quand je rêve, de quand je suis conscient, de quand je suis dans une vie antérieure, ou si ça vient littéralement de mon corps et pas de ma conscience. D'accord. Je sais pas comment. Est-ce que c'est un ressenti, c'est quelque chose, voilà, que tu ressens, Ah oui, c'est là. Simplement. C'est là, ça me dit, là t'es en train de rêver, mec. Ok, je rêve. Sachant que, bien sûr, vous vous doutez bien là, qu'en voyant ce genre de choses à cet âge-là, ma mère n'a pas attendu pour me conseiller d'apprendre à contrôler mes rêves, parce que ça peut être très compliqué dans ma tête. Donc j'ai très relativement tôt, enfin du moins adolescent, c'est vrai, j'ai entamé ce que certains appellent un chemin de conscience, sachant que pour moi à l'époque c'était pas un chemin de conscience, c'était juste j'apprenais des trucs et astuces pour essayer de contrôler tout ça, sachant que encore aujourd'hui je ne contrôle pas tout, il y a plein de trucs qui me restent encore très obscurs. Là, tiens, oh, je voulais faire un
un tout petit clin d'œil à une des émissions qui avait été diffusée sur Nuria. Et si je me souviens bien, c'était toi, Guillaume, qui présentais. Je ne me souviens plus, par contre, le nom de l'intervenant Ah, il va falloir que je et retrouve. qui parlait de Merlin et de Blaise. Ah, mais c'est mon ami Éric Charpentier. Voilà. Et je suis mais à 4000% d'accord avec son analyse que le nom Merlin est devenu dans le temps un titre. Et cette illustration que vous voyez sur la droite, c'est un des Merlins de l'histoire. Et on est, de ce que j'ai pu arriver à saisir, on est alors au moins au troisième siècle après Jésus-Christ, puisqu'on avait entendu parler de Jésus-Christ, mais on était au plus tard, au tout début du 5e siècle, puisque on ne connaissait pas la famille Pendragon. La famille Pendragon était inconnue enfin, dans cette ville-là. Et puis il a un bâton hein, qui retranche étrangement à un mélange entre le bâton de Gandalf et d'un Merlin qu'on pourrait voir. Et pourtant, c'est juste une branche d'arbre dans laquelle est inséré un caillou. Ouais. Mais je pense que comme dans le Oui. film, hein, c'est juste... Ah, presque. je ne saurais pas dire. Est-ce qu'il a des pouvoirs? Est-ce que. Ouais, c'est ça. Non, enfin, c'était surtout un chaman. Enfin, des pouvoirs. C'est genre faire léviter des machins ou Ouais. faire pleuvoir des cailloux. Non, non, non. C'était essentiellement un chaman. Il était en communion avec les esprits, mais voilà, c'est tout. Je n'ai pas d'autres pouvoirs que ça. Non, non. Voilà. Et à côté, et c'est enfin à peu près donc à cet âge-là, c'est donc on est en quoi, 2007-2009. Ouais, ça, je devais avoir environ une trentaine d'années, un peu moins de 30 ans. C'est là que la vie a mû, mais est apparue beaucoup plus clairement que toutes les autres. C'est là que, ben là, vous voyez un aviateur de l'époque. Ah, c'est un aviateur, ok. Ouais. Oui, parce que j'ai pas fait la machine. Oui, parce qu'à l'époque, je cachais ce que je voyais. Non, mais Oui, il tu y a vois un ça aussi. masque, une Oui. cape, un costume, bon, ça fait penser à autre chose presque. Ouais. Mais en fait, moi, comme j'ai l'image derrière, le visage, là, qu'on voit de profil, en fait, il est dans son engin volant. D'accord. Et enfin, voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas mal d'éléments que je ne dessinais jamais, et de façon volontaire. C'était pour éviter les moqueries, les railleries, parce qu'à chaque fois que j'essayais d'en parler aux gens, je vous dis, on me regardait, mais comme on regarde un ovni. Là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je pense que Ça a beaucoup de été. nos auditeurs comprennent ce sentiment. C'est quelque Ça chose a qui revient été. très régulièrement et c'est bien que tu en parles, Mokhtar. C'est cette incompréhension de la majorité des personnes sur ces sujets-là et des gens comme toi bah, qui sont sujets à des visions, à des contacts avec des choses qu'ils ne comprennent pas. Et bah, au bout d'un moment, on les garde pour eux parce qu'autour d'eux, on les prend pour des fous, soyons clairs. Mais oui, très clairement, on est dans une société qui malheureusement est dans le déni. J'invite ceux qui seraient intéressés à connaître un peu mieux cette histoire-là. Moi, j'ai mis en publication gratuite sur ma page Facebook et sur d'autres réseaux le chapitre qui s'appelle Présentation, qui est le tout premier chapitre de ce petit texte que j'ai écrit au début du livre et qui parle de tout ça. Moi, c'est vrai que encore il n'y a pas très longtemps, j'ai essayé de discuter avec une experte psychiatre. Donc je lui parle, je lui expose tous les éléments et elle me répond en me disant, ben attends, si tu veux, je te prescris ça, tu verras, ça ira mieux. Je lui dis, Ouais, mais on est bravo, sérieux? bravo Enfin, madame. et pourtant, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent, hein, qu'on soit Mais bien clair. Hein, qui a pas forcément le logiciel pour comprendre de c'est quoi il ça. s'agit. Il y a Fadi sur le Exactement. chat qui nous dit on est tous pris pour des fous. Oui, mais oui. Je sais qu'on est nombreux et je sais que c'est un sentiment partagé. Si Nuria peut servir au moins dans un premier temps à ce que tous les gens comme nous se sentent un peu moins seuls, au moins on C'est déjà regroupe bien. tous les fous sur un même média et allons-y tous ensemble. C'est clair. Faites gaffe, les gars, à la fin, ils vont nous tamponner Nuria, ça va pas être bon. Hein. Voilà, et le truc, c'est quand pour moi cette vie antérieure, donc à Mu, a été plus claire, j'ai commencé à vraiment chercher dans les écrits, dans les auteurs, ce qu'il pouvait y avoir. Et malheureusement, je suis tombé sur ce qui, pour moi, relève plus de la mythologie que de quoi que ce soit d'autre. Donc, je ne vais pas refaire le topo sur ces livres, sur ces auteurs, parce que Romain l'a déjà très bien fait dans toutes ses émissions. Donc, je ne vois pas pourquoi j'irais dire plus, surtout que, enfin voilà.
Regardez les émissions qu'a fait Romain. Oui, il non, vous mais en parle. Tu peux dire deux mots sur qu'est-ce qui a résonné en particulier en toi en lisant Church Ward ou Louis-Claude Vincent. Enfin, est-ce qu'il y a des éléments en particulier ou est-ce que vraiment c'est l'histoire en entier en fait Non, moi le Church Ward, dès le premier livre, j'avais eu un énorme souci déjà à l'époque sur la question de l'idéologie qu'il y avait derrière. Donc c'est vrai que l'histoire en elle-même, telle que lui la présente, me plaisait vraiment qu'à moitié. Ouais. Par contre, c'est sur les symboles, et notamment certains que j'ai repris dans mon livre et que j'ai que j'ai agrémenté. Je vous le montrerai plus tard. Voilà, il y a notamment un symbole. Lui, il a un symbole qui est relativement simplé, j'ai envie de dire. Moi, j'ai rajouté d'autres choses dedans qui sont à réfléchir, à méditer, tout ça, tout ça. Après, Church Ward, il y a voilà, le gros problème de la source, qui est le gros problème de cet auteur. Parce qu'à part les pierres de Nivelles, le reste, c'est... Ah, croyez-moi, je les ai vues. Ah, d'accord, ok. Mm. Tu les as vues, c'est cool. Et après, là, c'est toi qui me l'as fait découvrir, hein. C'est Louis-Claude Vincent. Et là, j'ai envie de dire rebelote. J'ai pas mal un gros problème avec l'idéologie qui est sous-tendue derrière le livre. Oui. Mais après, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que lui, au moins, ce dont il parle, il le source. Et ça, rien que ça, c'est très bien. Voilà. Après, oui, l'idéologie, on peut en parler deux mots, hein. C'est à chaque fois des grands blonds qui sont à la source de la civilisation surmue, et du coup, ils partent du principe, ces auteurs-là, que les populations qui vivaient alors, soit sur l'île de Pâques ou sur les côtes de l'Amérique du Sud n'ont jamais été en mesure de pouvoir faire ce qui a été construit, hein, enfin, ce dont j'ai parlé aussi. Ça ne veut pas dire que c'est eux forcément qui les ont fait, mais la manière dont c'est dit chez Church Ward et chez Louis-Claude Vincent, il y a un petit fond quand même particulier. Avec lequel tous les deux on n'est pas raccord. Et c'est pour ça qu'il y a. Il y a même certaines illustrations qui ont été un tantinet modifiées, justement pour éviter que propager cette idéologie qui, alors pour moi, est juste aberrante. Oui. Ça appartient à notre époque. Pardon. On a dit, on n'est pas méchant, on est sur Nuria, on est bien. non, mais on a le droit de s'exprimer quand même, et c'est bien de le dire. C'est vrai que j'en ai jamais parlé, et c'est l'occasion de dire qu'effectivement, on peut puiser des infos très intéressantes, mais pas que dans ces livres-là, dans tout un tas de livres à des époques où effectivement le monde était un peu différent quand même dans la culture et la vision globale en fait, hein, des hiérarchies, on va dire, entre populations qui étaient données il y a 100, 150 ans. Ça n'empêche pas que des informations dans ces livres-là peuvent être intéressantes. Voilà, il faut savoir découpler en fait l'idéologie du moment, de l'époque et de l'info en tant que telle. Voire même parfois aussi sur certaines infos, notamment moi, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu par rapport à Church Ward, mais je pense que tu as tout à fait raison, c'est lié au temps. C'est-à-dire que nous, on le lit aujourd'hui avec tout ce que la science a pu travailler et connaître en plus de cette époque-là. Le contexte, c'est le contexte du mot de l'époque à laquelle. Mais rien que le Church Ward est un militant du avant la Terre, tout était plat et puis tout d'un coup, pouf, les montagnes. Voilà, par exemple. Ouais. Si tu veux, mec. Ok. Bon. Church Ward, c'est fait. Voilà. Donc, en fait, c'était un peu le grand problème dans ma vie, c'est-à-dire que peu importe où je regardais, je trouvais jamais de réponse, du moins. De réponses pleines et entières qui puissent me satisfaire sur ce que moi je voyais, sur ce que je pensais comprendre de ces visions-là. Et un beau jour arrive le deuxième électrochoc dans ma vie. On arrive en 2017. Et encore une fois, merci Nuria, parce que sans vous, je n'aurais pas pris connaissance de ce sujet-là. Donc les momies tridactyles de Nazca. Sujet pour le moins controversé, à plus d'une raison. Après, moi, très sincèrement, il y a quelque chose qui me dérange dans le déni de certains par rapport à ce cas, c'est qu'en imaginant que donc tout soit vrai et que ce soit de vraies momies et tout ça et tout ça. Bon, ok, ça les dérange, ok. Mais concrètement, on parle de quoi? On parle d'une nouvelle espèce et qui, visiblement, aurait disparu. Qu'est-ce qu'il y a de plus choquant que les dinosaures? C'est au bout d'un moment...
Peut-être qu'elle vivrait sous terre. Hein. Il y a aussi l'hypothèse qu'elle n'aurait peut-être pas disparu, mais qu'elle Et là vivrait encore, pas on n'a sur pas de Terre. témoignages, on n'a pas de corps, on n'a pas. S'il y a des échanges, on n'est pas au courant. C'est un peu, voilà, on est en pleine hypothèse hypothétisante. Je ne suis pas certain qu'il faille vraiment se fier à cette idée-là. Moi, très sincèrement, j'en sais rien. Ce que je vous dirais, c'est que j'en ai vu par rapport à cette vie antérieure. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, là, Yvan, j'ai pas vu ça. Moi, hein. Tout ce que j'ai vu, c'est ce que je pense à peu près ce que tout le monde voit. Petite info au passage, juste pour les Nuréens. Normalement, en septembre, on fera une émission en compagnie de Thierry Jamin et Alain Bonnet. Pour justement, parce que ça doit faire au moins 1 an et demi qu'on n'a pas traité le dossier, parce que le temps des médias n'est pas celui des découvertes et des recherches et des études. Et donc, on a préféré prendre notre temps. Et donc, en septembre, on fera un petit point sur les dernières avancées, puisque les fameuses momies de Nazca que tu nous as montrées en illustration à Moocta sont à l'université d'Ica maintenant. Elles Tout à sont fait. étudiées. Et donc, en septembre, on fera un petit point là-dessus avec Thierry et Alain, pour voir quels sont les derniers examens mis en place, les dernières conclusions. Et on continue de suivre ce dossier Momie de Nazca, qui est un dossier qu'on ne lâchera absolument pas, quelle que soit l'issue de celui-ci, même si aujourd'hui on est quand même une majorité, en tout cas sur nos auditeurs et puis dans les gens avec qui j'en parle, à penser que c'est un dossier relativement solide et que même s'il y a des choses étranges, c'est un dossier qui vaut la peine d'être investigué. Et toi, bah, tu vas Tout à fait. peut-être justement nous en dire plus, nous amener d'autres infos sur ces êtres tridactyles. Oui, bah on peut, oui, pardon, on peut en parler maintenant. Concrètement, donc dans cette vie antérieure à l'époque de Mu, j'avais un, ce qui, alors c'est une très mauvaise traduction, mais un genre de précepteur. Et ce précepteur, ben, ressemblait littéralement aux momies tridactyles de Nazca. Ah oui, c'est pour ça Et qu'il y a eu c'est un pour ça choc. que. Ah oui, ah ben carrément. Ça a été pour moi la preuve que ça n'était pas que dans ma tête. Parce que alors, moi, ça me faisait rire les gens qui me disaient: Ah oui, mais c'est que tu as trop regardé E.T. Pardon, mais si, quand vous regardez E.T., vous regardez les momies ptérodactyles, vous vous dites: C'est pareil, prenez d'urgence un rendez-vous chez un ophtalmologiste. Il y a un problème. Je vous le dis. C'est un. Il est Et. un peu plus pâteau, Eti. ouais, et puis plus court sur pattes. Et, enfin bon. C'est Hollywood, quoi. Hein. Il faut que ce soit mignonné. Voilà. Là, enfin. Et du coup, ouais, du coup, c'est d'ailleurs l'illustration que vous voyez à l'écran, celle au-dessus, c'est moi qui l'ai faite. Moi, dès que j'ai vu donc la première émission donc sur Nuria, mais derrière, je suis allé chercher, creuser, et je me suis rendu compte que ben, non, c'est tout sauf faux, et que cette information, il faut qu'elle se transmette gratuitement. Du coup, j'ai fait une illustration que vous pourrez retrouver sur ma page DeviantArt. Vous pouvez la télécharger en grand format et l'imprimer. C'est gratuit. C'est pour le monde, cette affaire-là. Il faut pas que ça reste caché. Surtout pas. Pour moi, c'est une idiotie que de vouloir cacher ce genre de choses. C'est clair. Voilà. Et encore une fois, un très grand merci à l'équipe d'Un Carré Cusco, l'équipe de Jungle Prod. Un énorme bisou parce que j'ai eu la chance de le rencontrer, à Alain Bonnet, qui est un amour d'homme, vraiment. Je confirme. Voilà. Et Thierry Jamin, qui. Merci. Merci Thierry, continue. Païtiti, on y croit, on y va. Donc de là, c'est vrai que voilà, ça a été un gros déclic dans ma vie, parce que je me suis dit, écoute là, Yvan, maintenant, tu peux plus te mentir. Et tu peux plus te mentir. Faut que tu arrêtes le tir, faut que tu montres ce que tu vois. Parce que très clairement, il y a quelque chose à chercher. Et de là, j'ai essayé de Et travailler tu avec. l'as montré. Attends, parce qu'à ce moment-là, non. À ce moment-là, j'ai eu le malheur de tomber sur certains auteurs dont on taira le nom, mais avec qui ça s'est pas bien passé. J'étais un peu dépité, moi, à ce moment-là. J'étais là à me dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, oh, Nuria. Qui nous amène? Je vous le donne en mille, le Romain, la première émission, Mu et la Lémurie. Je vois l'émission, j'en tombe la bouche. Le jour même ou peut-être le lendemain, j'envoie un email à Romain pour lui dire oh, merci, je me sens moins seul. Ouais, c'était le lendemain. Et du coup, on a attaqué une collaboration tous les deux sur ce projet-là.
en se disant que comme c'était pour Nuria, ben, on travaillerait gratuitement, puisque vu qu'on ne gagne pas d'argent, y a pas de, enfin, c'est, pour nous, l'idée était vraiment de, comme on a dit précédemment, c'était de transmettre l'information. Après, moi, j'ai essayé de vraiment de rester dans mon rôle d'illustrateur, notamment les deux cartes, la première de Mu, qui est donc la représente, enfin une reprise de la carte que donne James Churchward dans ses livres. La carte de la Lémurie qui vient donc de ta théorie, Romain, sur d'où viendrait la Lémurie, et on va pas refaire la mission. sachant que pour moi, ces cartes-là, d'après moi, hein, d'après ce souvenir, c'est une théorie, je tiens à le rappeler, je ne suis en aucun cas archéologue et encore moins, je ne sais pas comment on dit quand c'est sous-marin, enfin bon, océanologue, pardon. Voilà, je n'ai pas de compétences particulières, ni même en cartographie, mais pour moi, ces cartes ne sont pas celles dont je me souviens. Le truc, c'est qu'à l'époque, à l'époque de cette vie à Mu, pour moi, il n'y avait déjà plus de continents. On nous apprenait, quand on était tout petit à l'école, qu'il y avait eu un continent, mais à l'époque où dont je me souviens, c'était une énorme confédération d'îles. Ce qui nous amène à parler d'un autre ami. Ah, juste avant d'en parler, avant de vous montrer l'image, sur la carte de la Lémurie, au tout début, quand on en avait parlé avec Romain, je lui avais présenté une carte de ce que je pensais être la Lémurie. Et Romain me dit, ah ouais, mais ça colle pas avec ma théorie, est-ce que tu pourrais m'en faire une autre? Je lui dis, pas de souci. Hop, de là, tu m'as expliqué, j'ai fait celle-là, j'espère qu'elle t'a plu. oui, mais je sais pas si tu sais, enfin si, je l'ai pas utilisé dans l'émission, puisque tu l'as faite, enfin on en avait parlé après l'émission, mais du coup, toi, ça te permet là de l'utiliser dans ton ouvrage, oui, pour montrer qu'effectivement, il y a différentes hypothèses, et moi j'avais repris cette histoire de Lémurie liée à l'Inde et l'ancien continent gigantesque du Gondwana il y a 150 millions d'années, et le fait que l'Inde est dérivée comme ça dans l'océan, enfin qui deviendra l'océan Indien pendant des millions d'années très rapidement, et à un moment donné, est pu se connecter à ce qui va devenir l'Himalaya et le sous-continent indien. C'est une hypothèse que j'ai prise de Blavatsky et des théosophes pour essayer de montrer que ce qu'elle racontait, c'était peut-être ça dont elle voulait parler. Voilà. Tout à fait. Voilà, c'est de là d'où ça vient, en fait. Ok. Et du coup, donc, moi, j'avais cette première carte que j'avais fait et je ne savais pas quoi faire, donc j'avais mis de côté. Et c'est l'été dernier, on est allé au festival de l'étrange rendez-vous organisé par Damien et Michel. Et là, on a eu, moi en tout cas, j'ai eu la chance de voir la conférence et de rencontrer celui qui est devenu un ami depuis, et c'est Monsieur Franck Ferrandis. Et Monsieur Franck Ferrandis est tout sauf avare du partage de ses connaissances. En ça, je le remercie grandement. C'est un vrai régal que d'échanger avec lui. Et c'est là que j'entends parler pour la première fois de la théorie du Sundaland. Et quand on regarde avec ma carte de la Lémurie, ah ben punaise, ça se ressemble quand même beaucoup. Il y a quelque chose. Il me semble. Et ta carte de la Lémurie, elle date de... Tu l'avais dessinée quand, par curiosité? Quand on en avait parlé tous les deux. De. D'accord, okay, c'était là que ça devenait... Ouais, ok. Parce que l'idée, c'est... Ça fait un petit moment, j'ai des cartes dans la tête. Là, concrètement, ça va être mon premier prochain projet, ça va être d'essayer de faire une carte, une map monde, en fait, de l'époque. Ah oui, ok. Pareil, l'axe de la Terre n'était pas le même qu'aujourd'hui. Voilà. Je n'en dis pas plus pour le moment. Je vous montrerai. Juste pour faire un petit crochet sur l'œuvre de Franck Ferrandis. Comment vous dire ? Moi, je vous invite à prendre connaissance de son travail, à éventuellement à acheter ses livres. Ce sont de magnifiques ouvrages avec des illustrations, des photos sublimes d'un lieu qu'on connaît très mal en France, qui est le Japon. Il y a des tas de sites mégalithiques là-bas. Son travail est juste sublime. Je ne sais pas, mon Romain, si tu veux faire un petit parallèle par rapport à sa vision. Sur son hypothèse, donc là on voit des cartes qui montrent l'état du monde il y a sans doute 15 000 ans. Là, quand les eaux étaient plus basses d'une centaine de mètres, j'en ai déjà parlé dans deux ou trois émissions, et du coup, lui, il part du principe, alors au regard, parce qu'il a vécu au Japon, il connaît très bien le Japon, je crois même qu'il le parle, il a fait
Il a fait de la plongée pour aller prendre des photos de Yonaguni, le site sous-marin gigantesque. On pense que ça peut être une carrière quand elle était à l'air libre. Enfin, en tout cas, voilà, il est très au courant des traditions historiques de la colonisation du Japon. Et l'idée, ce serait que, j'en avais parlé une fois, mais un gigantesque supervolcan, donc c'est. Vous le voyez La sur la carte catastrophe de de Franck, Toba. voilà, sur le Sundaland, où c'est écrit là, le N de Sun, c'est à cet endroit-là. Donc il y a 75 000 ans, et donc c'est avéré, il y a une énorme éruption, hein, qui, d'après les spécialistes, c'est l'éruption la plus puissante des 2 derniers millions d'années, 5 000 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. Et du coup, l'idée, c'est qu'il y a eu beaucoup, 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 beaucoup moins d'êtres humains suite à cette catastrophe. Et que comme c'était il y a 75 000 ans, alors c'est vrai que ça collerait avec moi l'hypothèse que j'utilise là depuis deux émissions d'Ours Blanc et Danton Parks sur le fait que Mu a été détruite il y a 80 000 ans. Donc c'est juste que c'est géographiquement que ça colle pas entre un continent dans le Pacifique pour moi, mais qui n'a pas existé pour Franck Ferrandis. Et lui, il situe ça sur cette partie-là de ce qu'il appelle le Sundaland et qui est devenu derrière les îles indonésiennes, les Philippines, la Malaisie. Et voilà, c'est un peu, c'est ça le début, lui, de Mu. Juste pour rappeler, pour Franck, en fait, Mu viendrait d'une mauvaise traduction du Muzubi, qui est Ouais. un précepte. Enfin, après, je vous invite vraiment à regarder le travail de Franck. Oui, c'est un mot japonais, en C'est fait, très, Muzubi, très hein. bon. Oui, mais ça fait partie de leur, enfin, d'une culture. Désolé, je ne m'y connais pas assez pour pouvoir prendre la parole. On souhaite une prochaine émission sur Nuria avec Franck Voilà, Ferrandis. par exemple. Eh Ce ben serait voilà, génial. l'idée est lancée, et pourquoi pas? Pas de souci. Mais vous êtes en Si train de me l'info dire passe qu'il va pas falloir par que j'apprenne les vous, mots en nous on japonais. le. Ah non. Non, 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 Franck est allez. très gentil, il traduit tout. Ouais, c'est un très bon conférencier en plus, c'est vrai que c'est un plaisir de l'entendre. C'est clair. Je prends note, les amis. Voilà, donc. Voilà une des illustrations dont je vous parlais tout à l'heure. Là, j'ai repris une des illustrations qu'on voit dans les livres de Church Ward. Sauf que du coup, j'ai rajouté un certain nombre de petites choses. S'il y en a qui veulent s'essayer à méditer ou à essayer de comprendre par le symbole des choses dedans, faites un arrêt sur image ou faites une capture d'écran. Allez-y, il y a pas mal de choses à creuser sur les deux pages. Juste peut-être préciser que là, sont des, là, ça vient directement donc de cette vie antérieure. Sont des colliers qui existaient, qui, d'après moi, existaient à l'époque de Mu. Et alors, je ne sais pas pourquoi il y a cette porte qui est venue entre-temps. Je ne sais pas. Il y Ah bah, a, elle fait très oui. japonaise pour le coup. Oui. Qui rappelle, pour ceux qui connaissent, on appelle ça le grand torii. En fait, c'est une énorme. Comme ce que tu montres là, c'est pas en rouge, c'est sur l'eau au Japon aujourd'hui. Ouais. Et en fait, ça symboliserait une espèce de portail vers autre chose en fait. C'est oui. Donc on va enfin en arriver à parler directement de Mu par rapport au dessin. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'on y voit. Donc là, voilà, moi dans cette vie, j'étais pas Homo sapiens sapiens tel qu'on le décrit aujourd'hui. J'étais donc une humaine, crâne allongé, 5 doigts, mains, pieds. Et donc, comme je vous disais précédemment, j'avais un précepteur qui est devenu par la suite un ami et collègue qui était vraiment de type tridactyle, comme ce qu'on a pu voir avec les momies de Nazca. Là, pour le coup, c'est un moment de vie où je commençais un genre de compagnonnage. Je suis admiratif, moi, des gens qui arrivent à faire des traductions des termes de l'époque. Par exemple, le travail d'Anton Parks, je suis admiratif, je ne sais pas comment il fait. Parce qu'on parle de mots qui ont une signification beaucoup plus large que les termes français d'aujourd'hui. Donc du coup, c'est pas vraiment évident à traduire. Donc là, comme je vous disais, c'est un genre de compagnonnage. La chance peut-être que j'ai par rapport à d'autres qui se souviendraient du même moment de l'histoire humaine, c'est que j'ai pas mal voyagé pendant ce compagnonnage. Ça a commencé avec les visites des différentes îles de Mu. J'ai fait un petit passage dans la Lémurie, d'où la carte. J'ai fait un très court passage par l'Atlantide, parce qu'on ne s'est pas super bien entendu. Et je suis allé dans d'autres coins.
Donc là, concrètement, ce que vous avez à l'image, c'est la première fois, on était en haut des remparts de la cité capitale, de l'île capitale, et du coup de la... c'est pas un château, je sais pas comment le traduire. Là où vivait la chef. Ah oui, petite précision, société matriarcale. Était très rare les hommes en charge de quoi que ce soit. Très très rare. Donc sous Mu, c'était les femmes qui détenaient le pouvoir. Mais là, alors, je vous le donne, vous en faites ce que vous voulez. Là, la reine mère, le nom c'était Maateina. Et ce qui se traduirait très mal par la mère de toutes et tous. Voilà. Alors, c'est une très mauvaise traduction, hein. Désolé. Là, pour le coup, on regardait passer, donc on était en haut des remparts, et on regardait passer un cortège qui venait faire, genre présenter ses respects, un truc du style, à la chef de la capitale, sachant que le système social, enfin le système social, l'activité sociétale sur Mu est vraiment à l'image du symbole, donc l'espèce de montagne à trois pointes. C'est-à-dire, c'est un. Comment vous dire si, c'est un peu le même mécanisme que le Conseil des Anciens. C'est-à-dire que pour toute décision, il y avait un collège de plusieurs personnes. En fait, venez qui voulait pour assister à la décision. Et il y avait juste donc la Maateina qui avait une double voix. Mais c'était juste une double voix. Et il était très rare qu'elle aille à l'encontre de l'avis général. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce dont je parle. Mmh. Si, c'est relativement okay. Clair. Ça donne même envie pour des fonctionnements chez nous. Hein. Alors, ça, c'est un des petits trucs que je n'ai pas en commun avec beaucoup de gens qui parlent de vie antérieure, qu'ils auraient vécu à ces époques-là. Moi, je n'ai pas une vision idéalisée. Qu'on soit bien clair... Bien sûr, je défendrai toujours Mu parce que le souvenir me vient de là et voilà, dans l'avenir je me souviens de cette vie-là, voilà, je défendrai la France. Maintenant, j'aurai un regard, je pense, assez comment dire, pas critique, mais au moins honnête, parce que tout n'allait pas forcément bien à cette époque-là et notamment dans la société muenne, tout n'était pas génial, loin de là. Il y avait un véritable système de caste. Tout ce qui n'avait pas crâne allongé, oh la vache, c'était. Il n'y avait pas d'ascenseur social, qu'on soit bien clair. C'était très très rare ceux qui arrivaient à juste des niveaux qui étaient très bas pour ceux qui avaient le crâne allongé. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que ce serait dommage. Mais ouais, c'est un peu tout ça que j'aimerais bien décrire dans le projet prochain. D'accord. D'écrire la vie à Mu, voir aussi les distinctions avec l'Atlantide, éventuellement les raisons du pourquoi de ça a fait clash entre les deux. Parce que là, pareil, sur l'Atlantide, vraiment à l'idée de leur emblème, de la pyramide, c'était un système pyramidal, c'est-à-dire qu'il y avait la reine tout en haut et en bas la plèbe. Là, pareil, j'ai pas une vision idéalisée des Atlantes. Pour vous donner une idée, à un moment donné, donc on est parti sur l'Atlantide. Nous, quand on est arrivé, pour moi, enfin, le souvenir que j'en ai, ça a été vraiment un haut le cœur. Parce que certes, il y avait la ville capitale qui était magnifique, tout le monde était bien habillé, ils étaient tous beaux, machin, machin, machin. Mais alors, à moins de 800 mètres, vous aviez des bidonvilles, des gens qui mouraient de faim. Et j'étais là, mais pourquoi ils font ça? Parce que à Mu, nous, on avait cette chance, c'était des îles. Donc, dès qu'il y avait trop de monde... Ben les gens allaient soit sur une autre île, soit aller en Amérique du Sud, soit aller... Enfin, voilà. Et du coup, il n'y avait quasiment pas de... ce que nous, on appellerait des indigents aujourd'hui. Mais parce qu'il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas la place d'en avoir. Vous voyez ce que... Enfin, j'espère que ça, c'est clair. Si, mais en plus, moi, j'adore parce que c'est super vivant, parce que tu en parles comme si c'était l'année dernière. Je trouve assez exceptionnel. Et du coup, c'est très immersif pour nous de découvrir Mu à travers ton regard, et je t'en remercie vraiment. Merci à vous de me donner la possibilité d'en parler. Pour le plaisir des yeux de bon nombre de gens qui auront notre âge, la prochaine slide,
Voilà, un petit voyage sur une ville qui était en Amérique du Sud. Alors, je pourrais à peu près la situer, mais je pense enfin, si on fait des fouilles à cet endroit-là, j'imagine qu'on ne trouvera rien. Ou alors que des pierres qui sont tombées un peu comme à Tiwanaku. C'est-à-dire qu'on ne trouvera pas de construction debout, quoi. Très Ouais, clairement parce pas. qu'autant la pyramide à degrés, ça rappelle quand même tout ce qu'il y a en Mésoamérique, enfin Maya, Olmec, Aztèque. Autant le bâtiment circulaire, là, ça pourrait être quoi en fait? Alors ça, sachant que c'est pas un endroit dans lequel je suis allé à l'époque, hein, on s'entend. Ça, moi, ce qu'on me disait, c'est que c'était un lieu où on venait prier. D'accord, donc un Alors temple, prier quoi. pourquoi, pour qui, je sais pas. Parce que ça aussi, on parle souvent que genre au temps de Mu, les mecs faisaient des colonies, mais c'était pas vraiment des colonies au sens où on l'entend aujourd'hui. Parce que comme je vous disais, c'est quand il y avait plus de place, mais les mecs déménageaient et on les aidait à déménager. On les prenait en bateau, hop, on les aidait à s'installer. Et au début, ils étaient certes affiliés directement à Mu, mais à la fin, on était quasiment, enfin pour certains endroits, c'était plus que des relations entre guillemets commerciales, d'échanges, s'entend, parce que la monnaie n'existait pas à l'époque, la notion hein, monétaire inexistante. Il y a un Ouais. drôle d'oiseau là, il y a un drôle d'oiseau avion. Oui, le fameux, alors qui va naturellement nous faire penser aux mystérieuses cités d'or, hein. Sachant que pour moi, le machin, il n'était pas doré, du tout. Il n'était pas noir non plus, parce que j'ai l'ami Franz qui m'a montré les travaux qu'il avait fait pour Anton Parks, pour illustrer le fameux vaisseau d'Horus, qui ressemble fortement Ah, au sauf que fameux. c'est un faucon Oui. le vaisseau d'Horus. Oui, mais alors du coup, petite anecdote avec Franz, parce qu'il voit l'image, je monte l'image, il me dit, mais attends, mais c'est quoi les deux trucs qu'il y a sous les ailes? Et je lui dis, ben, pour moi, ce sont des propulseurs. Alors j'avais eu la chance de voir Jean-Pierre Petit sur Nurea nous parler de MHD. Donc du coup, j'arrivais enfin à mettre un mot sur cette notion-là. Donc pour moi, ce sont deux turbines à MHD. Très clairement. On va faire un tout petit saut en avant. Excusez-moi, je cherche. Voilà. Hop, voilà. Comme vous pouvez le voir ici, c'est la vue de coupe de profil. Et pour moi, c'est très clairement de la MHD. Parce qu'alors, pareil, j'avais un souvenir. Je suis désolé, je ne l'ai pas gardé en illustration pour ce soir. J'avais fait un dessin. Vous pourrez le retrouver dans le livre. Dans les tout premiers croquis qui datent, il y a à un moment donné une espèce de. Ça ressemble vaguement à une soucoupe volante, vaguement. Et en fait, c'est pas ça qui est intéressant, c'est qu'autour, enfin, il y a une espèce d'anneau. Et comment vous expliquer? Je ne comprenais pas du tout ce que je voyais à l'époque, et même encore aujourd'hui, je suis loin de pouvoir tout expliquer. J'avais que deux certitudes. La première, c'était un moteur. La deuxième, c'était que c'est que déjà le liquide qui était dedans, c'était du mercure, et que les axes de rotation étaient inversés. Et il n'y a qu'à partir du moment où j'ai entendu Jean-Pierre Petit parler de MHD et du mécanisme de comment ça pouvait se passer, je me suis dit, mais, ah mais d'accord, mais c'est ça que j'ai vu en fait. Alors après, vous expliquer les principes de la MHD, comment ça marche, et tiens, je vais le construire demain. Non, 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 on en est très très loin. C'est pour vous illustrer un petit peu, parce que Ah, hop, voilà, donc ça ressemblerait à ça. Donc on aurait un énorme tube au milieu où le liquide tourne dans un sens et en spirale autour tourne dans le sens inverse le même liquide qui serait du mercure. Alors D'accord. après, j'ai pas vraiment plus d'explications que ça sur ce que je crois être un moteur. Ok. On parle de Donc mercure aussi dans les Vimana en tout Inde. à fait. Tout à fait. Moi j'étais assez surpris parce que la vision de ce moteur, elle m'est venue, j'avais 16 ans. Je l'ai dessiné, je l'ai montré à des potes qui étaient en lycée en sciences et qui avaient montré ça à certains de leurs profs et leur prof leur avait dit, ah non, non, mais ça n'existe pas. On était dans les années 90 quand même. Jean-Pierre Petit avait déjà fait ses travaux. Oui, mais n'avait pas été très très popularisé, encore Non, moins au c'est niveau de vrai. l'éducation nationale, Ah oui, malheureusement. non.
Juste pour terminer, le grand bonhomme là qu'on voit sur la droite de l'image, c'est un des gardiens. Lui et un de ses copains, ils étaient devant une des entrées du. Pardon, je pointe du doigt comme un idiot, comme si vous pouviez voir. Donc je pointais à la souris. Donc ils étaient devant une des entrées là, que là on voit pas en fait, mais qui ressemblait fortement à celle-ci. Ils étaient deux, ils avaient des lances. Voilà. Là encore, si la société avait été idéale, qu'il n'y avait pas de conflit, pas de machin, pourquoi mettre des gardes avec des lances? Moi, ce qui me bluffe, c'est tous les détails que tu as dessinés sur l'armure, enfin ce qui semble être une armure, ou son casque et ce qu'il a sur le visage, là, toute cette petite spirale. C'est hyper fin comme vision, je trouve. Hein. Ah ben le travail de l'époque était mais d'une finesse Mmh, assez ouais, dingue. c'est un sacré effort. Hein. Moi je commence à peine à voir des choses qui ressemblent aujourd'hui dans notre société. Et là, je voulais Et en venir, c'est que ça fait beaucoup penser au chakra, en fait, la façon dont les pierres qu'on voit là au niveau du chakra, peut-être du plexus, ou celle qui est sur la tête, là, qui ressemble peut-être à celle du troisième œil, et même les spirales, là où elles sont positionnées, peut-être qu'elles symbolisent cette espèce de flux d'énergie qui parcourt tous les chakras. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un côté qui relie l'aspect énergétique du corps humain avec la matière, le métal. Et l'armure. Ah ben tu vois, c'est pour ça que j'adore discuter avec toi. C'est parce que tu m'amènes Vous des choses. Parce que les êtes gars, moi, trop la mignons tous plupart les du deux. temps, la plupart du temps, je vois des trucs, je n'ai aucune explication. C'est juste, je vois un machin, quoi. Ah ouais, si, là, c'est enfin pour moi, c'est parlant. Bah pareil, s'il y a des Nuriens qui ont certaines réponses là où moi j'en ai aucune, ou qui auraient des avis contradictoires, je suis preneur. On défend une théorie. Moi, je ne fais que défendre une théorie. Je ne prétends absolument pas avoir la vérité unique et universelle. Non, non, rien du tout. Tiens, on passe à la slide suivante. C'est un autre site, toujours en Amérique du Sud. Donc, petit montage intellectuel, ce que j'appelle une construction mentale. C'est-à-dire, pour moi, les tikis, ce qu'on appelle les tikis, sont directement reliés à cette civilisation-là. À l'époque de Mu, de l'Atlantide, on est véritablement. Enfin, quand j'entends des archéologues me dire, eh, ça fait 3000 ans que ça existe, je crois pas. Il me semble pas. Juste, je ferai un tout petit topo. Là, c'est un gardien du temple. Alors lui, il n'avait pas d'armes. Par contre, un petit truc qui, à mon avis, va vous plaire. Vous voyez là cette espèce de côte de maille là qu'il a sur lui. Un Eh ben, ce plastique, ouais. machin-là, c'était pas du tout en métal. C'était un végétal qui était tressé. Et il y avait tout un procédé de trempage dans un liquide. On laissait sécher, on le faisait tremper, on le faisait sécher, on le faisait tremper. Il y avait d'autres étapes de manipulation de la matière qui ressemblaient énormément au travail des cuisiniers japonais quand ils travaillent la pâte pour faire les nouilles. Enfin, il y a des tas de reportages sur Arte là-dessus. Regardez-en un, vous voyez les mouvements qu'ils font sont des mouvements très répétitifs. C'est quasiment toujours le même mouvement. Eh bien, on retrouvait la même chose, et à la fin, ça donnait un tissu, pas vraiment un tissu, c'est du végétal, mais un habit d'une résistance de malade mental. C'est-à-dire qu'à la fin, quand ils avaient terminé, ils le posaient et ils tiraient des flèches de longue portée à bout portant. Voilà. Et si ça ne traversait pas, c'est que le produit était bon. Pourquoi je vous parle spécifiquement de ce procédé-là? On va le retrouver plus tard sur une roue d'un genre de brouette. Parce que pour le coup, la roue, la matière qu'il y a autour, il n'y a pas de chambre à air dedans, mais c'est le même procédé. C'est-à-dire c'est une fil c'est une c'est c'est des végétaux qu'on a tressés ensemble et qu'on a fait tremper. Et moi, enfin, je défends cette théorie. Pour moi, quand on regarde toutes ces civilisations anciennes et qu'on se berce de l'illusion que nécessairement ils auraient leur niveau technologique ou leur niveau de science ne pourrait se voir qu'à travers nos outils, pour moi, c'est juste une aberration. Concrètement, nous aujourd'hui, on a fait le choix de la mécanique. On est arrivé très très haut en mécanique. Rien que ceci, hein, portable, oh, ce machin-là, c'est une merveille. Je pense très sincèrement que la société d'aujourd'hui est bien plus en avance sur la question de la mécanique que ce qui était à Mu. Par contre, sur la question de la chimie, alors là, on est, mais on joue, nous, on est en train de faire des pâtés dans le sable, quoi.
Les mecs, ils étaient à un niveau de malade mental. Il y a qu'aujourd'hui, on va retrouver, alors excusez-moi, je vais retrouver les références, celles que je t'ai passées, mon Romain, tout à l'heure. On va retrouver aujourd'hui dans des procédés chimiques des réactions qui sont juste dingues, mais qui, quand on les met en perspective avec ce qu'on appelle les mythes et légendes de ces civilisations-là, ben là, tout d'un coup, on se dit, mais tiens, ça serait pas ça dont ils parlaient, les mecs. Là, par exemple, il y a une peinture qui est faite par par l'entreprise Polynova Global. Et en fait, c'est une peinture. C'est l'exemple de la vidéo. Si, vous pouvez y accéder, il me semble, sur YouTube, sur Facebook. Enfin, voilà, ils font pas mal de pubs pour ce produit-là. C'est une peinture qui est parfaitement imperméable et qui, en plus de ça, comment vous dire, est résistante au choc. Un des exemples de la vidéo, ils mettent donc de cette fameuse peinture sur un mur en parpaing classique, mur de base, mais que sur un côté, et il y a un mec avec une masse qui vient et qui tape. Les briques derrière cassent et tombent. Par contre, tout ce qui est en contact direct avec la peinture reste. Et on ne voit aucune marque. De la même manière, à un moment, ils recouvrent, enfin ils prennent deux tôles ondulées, vous savez, là, pour faire les toitures. Ils en mettent une qui touche pas, qui laisse telle quelle. Une autre, ils la recouvrent de peinture, ils la mettent, ils font rouler une voiture dessus. Celle qui n'est pas recouverte casse, normal. Celle qui est recouverte de la peinture, elle s'aplatit et après elle reprend sa forme. Et moi, je suis désolé, mais ça me fait directement penser à la notion d'oricalque. Est-ce que l'oricalque ne serait pas à chercher par là? Cette espèce de Qu'est-ce métal à que mettre. l'oricalque pour les néophytes comme moi qui Ah, ne pardon. connaissent pas le terme? Alors, tu me reprends, hein, Romain, si je commets des impairs ou des oublis. L'oricalque serait un métal relativement merveilleux parce qu'on en aurait perdu le procédé d'exécution, qui ressemblerait fortement à l'or et qui aurait cette particularité que d'avoir une possibilité de mémoire de forme. C'est-à-dire qu'on pourrait le plier, le mettre, prendre une feuille, la plier, la mettre dans sa poche, faire 3 km, la ressortir et tac, elle se redéplie sans une pliure. Du coup, c'est un métal qui n'existe pas, hein. Ça vient des Qu'on n'a mythes pas retrouvé, ouais. autour de l'Atlantide, beaucoup. Et ce serait une espèce d'alliage, effectivement, comme on a aujourd'hui des alliages hyper résistants, hyper légers, avec des propriétés, comme le dit Yvan, voilà, sans doute de transmission d'énergie ou de bouclier. Voilà. Et c'est un métal qui aujourd'hui n'est pas un métal qui existe. On a Ah juste que oui. quelques témoignages, notamment sur l'affaire Roswell, Par exemple. avec un matériau à mémoire de forme dont plusieurs témoins revendiquent l'avoir touché, manipulé. Ah oui, c'est. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose en rapport avec la chimie qui pourrait nous permettre d'obtenir, pour rester gentil, pour rester dans l'univers mainstream, pour pouvoir accéder à ce rêve que serait l'oricalque? Là, vraiment, moi, enfin, pour moi, la solution serait très clairement par là. Voilà. Oui, c'est fort possible. Il y a Justin qui nous dit, comme ça, pas besoin de repassage, c'est pratique. Effectivement, des chemises en oricalque, je suis preneur. Je ne suis pas sûr. Peut-être ça irriterait les tétons ou un truc du style. Ça peut être irritant pour le téton, on est bien d'accord. Tant qu'on est sur l'habillage, tiens, pour le plaisir des yeux, tu me parlais de détails et de choses comme ça. Voilà. Le genre de coiffe qu'on pouvait voir à l'époque. Elles sont Alors, magnifiques, hein. Alors ça fait très un. clairement, hein, c'était pas la coiffe de Madame Tout-le-Monde de tous les jours, hein, qu'on soit bien clair. Et ce sont des coiffes qui étaient véritablement prévues pour des êtres au crâne allongé. C'est-à-dire que c'était pas pour rien qu'il y avait un gros machin au-dessus, quoi. Oui, c'est en lien avec le végétal, là. Un coup, on voit un artichaut, un coup, on voit un litchi, un coup, on voit des feuilles, enfin, en tout cas, ou des plantes qui Là, existaient on à serait plus l'époque, sur mais. l'idée d'un lotus fermé sur celui-là. Ah, Celui-là, tu vois, Lotus, ouais, oui, effectivement. ah, celui-là, Ouais. ouais, tu veux voir. Ouais. Toi, tout Non, de suite, non, j'ai Romain, t'as vu artichaut, salade ça de marche. fruits. Ah, ouais, moi, là, j'ai trippé sur la salade de fruits, ouais. Mais elles sont magnifiques, hein, les coiffes. Et Sachant effectivement, qu'en. pour les crânes allongés, donc pour la noblesse de l'époque. Sachant qu'encore une fois, moi, dans mes dessins, je rajoute souvent des petits détails, des petites choses
qui sont des pistes à creuser. Très clairement, il y a tout un tas de symboles. Il y a, si vous vous amusez à vous faire des représentations en 3D, il y a des choses à comprendre là-dedans. Enfin, voilà. Il y a... sur ces dessins, Mohokta, quelle est la part de liberté que tu prends par rapport aux souvenirs qui émergent en toi? Alors, merci Guillaume de poser la question. C'est super. Alors, je vais vous faire le détail. Celle-ci, celle qui ressemble à une coiffe égyptienne, elle n'est pas de moi. C'est l'œuvre. Alors, à la base, c'est l'œuvre d'un styliste pour un. Alors, pardon, j'ai oublié son nom. Je le retrouverai. On le mettra dans les. Dans les crédits, je retrouverai son nom, parce qu'il fait un travail vraiment admirable, des choses magnifiques. Quand je vous disais que je commence à revoir, à voir maintenant des choses que je voyais à l'époque, c'est un de ces artistes. Le mec fait des choses, mais alors, c'est sublime. Cette coiffe, c'est lui qui l'a faite. Là, je me la suis un petit peu réappropriée. C'est pour ça que je me suis permis aussi de la mettre dans le livre. Elle est un petit peu différente. Celle-ci, alors, la partie basse. C'est très clairement le type de coiffe qu'on peut retrouver dans les coiffes traditionnelles, notamment dans le bassin mongol. Je dis bassin parce qu'il y a plusieurs cultures qui utilisent ce type de coiffe. Par contre, le dessus, c'était mon Romain qui m'avait demandé « Ah, est-ce que tu peux pas essayer de faire quelque chose avec l'idée de la pomme de pin ?» Et du coup, comme vous pouvez le voir, ça, on a l'impression que c'est collé. Parce que je ne l'ai pas vu. Très, très, très clairement. Après, pour celle-ci, moi, c'est très clairement une des coiffes que j'ai vues sur Maateina. C'est une de ces coiffes. Et pour le coup, c'était censé représenter un lotus, je confirme. Ah. Et celle-ci, beaucoup plus rare. Celle-ci, je l'ai vue qu'une seule fois, mais j'ai trouvé tellement magnifique, je me suis dit, tiens, s'il faut que je fasse une coiffe, on va faire celle-là. Mmh. Les symboles qu'on retrouve sur les différentes coiffes, là aussi, c'est des symboles qui sont issus de tes visions? Tout à fait, tout à fait. De cette fameuse culture, parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, autant il y avait certains symboles qui différaient suivant si on était de Mu, de la Lémurie, de l'Atlantide, il y avait certains symboles qui différaient. Maintenant, il y avait comme un genre de langue commune. Est-ce que c'est assez clair pour... Ouais. Parce qu'en fait, dans l'idée, dans ce que nous, on nous apprenait quand on était petit, c'est qu'au départ... ces trois nations, enfin pour moi nations, étaient en fait au départ c'était ils venaient d'un même groupe. C'était plus tard qu'ils s'étaient séparés, qu'il y avait eu des dissensions. D'accord. Voilà. Maintenant on va partir sur. Ouais. Oui, dis-moi, vas-y. Non, par rapport à la langue commune, c'est l'hypothèse d'Anton Parr sur le fait que, toujours dans l'idée que Homo sapiens ça a été créé génétiquement par. Des reptiliens venus des Pléiades, ils auraient apporté également donc le langage, et à un moment donné, en lien avec donc une langue commune au départ, et puisque Enki et Enlil en fait étaient pas d'accord sur la manière de gérer la population des animaux Adam, donc nos ancêtres, Enki, pour essayer de contrecarrer les plans d'esclavagisme de la population des êtres humains de l'époque, il aurait créé plusieurs types de langues à partir de cette langue commune, ce qui fait que ça aurait été plus compliqué après pour Enlil, celui qui deviendra Satan, de dominer toute l'humanité à l'échelle de la planète. Donc voilà, ça c'est son hypothèse. Mm-hmm. Possible. Encore une fois, malheureusement, je n'ai pas lu les ouvrages de Anton. Mais après, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Quand moi je parle de Mu ou de ses souvenirs, c'est un temps qui est relativement court. Et c'est vraiment à la fin de Mu. C'est vrai, c'est pas au début. Les seuls trucs dont je vous parle là ce soir sur ce qui était Mu avant, pour nous apprendre qu'il y avait un continent, sont des choses. Enfin, voilà, imaginez qu'on vous demande aujourd'hui, ah, tu te souviens de ce que tu as appris quand tu étais gamin sur les dinosaures? Perso, ce que je sais aujourd'hui, c'est parce que je l'ai appris depuis. Mais ce que j'ai appris à l'époque à l'école, j'ai aucun souvenir. Hein. Et du coup, c'est vrai que j'ai très très peu de souvenirs, puis même à l'époque, ça ne m'intéresse pas. C'était pas mon domaine de travail, en fait. Il y a un nouveau dinosaure qui a été découvert. Ah, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. A découvert une route dans le Pacifique. C'est bien, on commence à force. Oui, d'ailleurs, Romain, je t'ai envoyé un message avec un article sur cette fameuse route.
Oui, tout à Oui, me l'a fait. envoyé. Ah ouais, j'ai Ouais, mais c'est à bien. explorer, hein, effectivement, dans Ah le oui. Pacifique, une route de briques jaune là, Ouais. au fond de l'océan. Et donc, les La croisière. explorateurs explorent. Non, non, le nouveau dinosaure, c'était le dinosaure en lien avec Pécresse, l'Apélodon. Non, Voilà. non, non, Elle est non. très bonne. Non, non, elle est très bonne. Ok. Une espèce qu'on espère en voie de disparition. Carrément. Allez, voilà. Là, je vous laisse avec ça, vous vous débrouillez. Ah, ça, j'adore celle-là. Ah, l'enseignant, là, avec les enfants, c'est génial. Ça, quand tu parlais d'enseignement, tu vois, bah, typiquement, c'est comme ça que j'aurais aimé apprendre des choses. Il y a un Il y en côté avait très qui Star s'endormaient Wars. aussi, hein. Star Wars, tu trouves? Oui, tu sais, quand Ouais. ils forment les jeunes Jedi dans le temple des Jedi. Avec des hologrammes. Ah putain, j'avais complètement zappé. Avec Yoda Yes. qui montre toutes les galaxies aux autres, aux jeunes Jedi. Ça, y a, enfin, moi, ça m'a fait penser à ça, mais bon, c'est anecdotique. Non, mais pourquoi pas, pourquoi pas? Pourquoi Ah, si, pas? si, y a de ça, hein, l'enseignant avec les enfants Ah et mais l'hologramme. Bah, sauf ah, que il est un peu trop grand pour Yoda ressembler à a Yoda, mangé sa soupe. quoi. C'est ça. Là, pareil, une des choses. Alors, comment dire? C'est la question de tous les outils que vous verrez ce soir qui présentent des hologrammes sont des choses qui existaient. Maintenant, c'était pas tout le monde qui avait ça. Je veux dire, la plupart des gens n'en avaient pas l'utilité et n'en avaient pas chez eux. Ça, c'est un des trucs d'ailleurs par rapport à notre société contemporaine qui m'étonne. Le nombre de gens qui se plaignent de leur niveau de vie, sachant qu'ils ont tous des télés, des ordinateurs, des frigos. Les mecs, on est très loin d'être dans le dénuement quand même. Enfin, après, je dis pas que la vie est parfaite et que c'est génial et qu'il n'y a rien à faire, mais à un moment donné, ouais, enfin, faut essayons d'ouvrir les yeux sur la chance qu'on a dans notre société. Voilà, petite parenthèse politique. Ça fait du bien des fois. Faut que ça sorte ce genre de truc. J'avance un petit peu sur les images parce que je vois que le temps file et qu'on n'est pas même pas à la moitié. Voilà, une illustration très clairement, un satellite qui ressemblait fortement à une fleur qui s'ouvrait, qui se fermait suivant le besoin. Et là, pareil, je ne sais pas du tout si c'était un satellite d'information comme les nôtres aujourd'hui. Est-ce qu'il était armé? Est-ce qu'il servait pour le climat? J'en sais rien. J'ai juste l'image de ce machin-là. Ok, ça vous inspire pas plus, ça Bah une marche. fleur en fait, je vois une fleur qui vole quoi. Après de là y voir un vaisseau qui transforme le climat, oui pourquoi pas. Mais je sais pas, j'en sais rien. Parce qu'il y a plein de théories par rapport à ces époques-là. Et très franchement, j'en sais rien. Je suis pas Et de. là on arrive dans le dur. Ouais, Là parce que ça nous plaise. cet outil là qui permettrait de faire des coupes droites sur du granit, ça nous Ah, parle. et qui ressemble un petit peu au fameux sac des dieux. Tout à On fait. voit Oui, bien vu, les en fameuses statues Mésopotamie. Anunnaki. Mais Ah, oui, ah, tout à ah, fait. alors, C'était un Guillaume, peu l'idée. je vais te casser le rêve. Pour moi, c'est une construction mentale de ma part. C'est-à-dire qu'on D'accord. commençait à discuter avec Romain sur la question des paniers, qu'on retrouve notamment en Mésoamérique, enfin, dans plein d'endroits. Et à un moment donné, donc lui me parle d'un outil qui permettrait donc de couper, de machin. Et j'ai Bel poussé un outil. peu le vis. J'ai poussé un peu le vis sur la machine, puisque vous avez le bouton pour couper, le bouton pour ramollir et le bouton pour faire dévisser. D'accord, tu Voilà. nous as piégés. Ceci dit, Romain et Moocta, je pense pas que j'aurais pas compris que sur ces représentations qu'on a des dieux Anunnaki, on ait mis un outil de ce genre-là en symbole. Il y a peut-être d'autres symboles à mettre plus en évidence sur une statue comme ça qu'un outil qui servait à percer, à couper la pierre. Ah oui, bien Allez, sûr, mais quel intérêt de représenter le sac à main de la princesse? Là, Ah tu vois, dans la mais même logique, Guillaume, moi j'ai du mal à croire que ce soit juste un sac. Vraiment. j'ai jamais dit que c'était un sac. Ou Ah alors. oui, non, de là à voir que c'est un objet pour trancher la pierre, oui, je suis assez d'accord. Enfin, celle qui me parle le plus, c'est celle qui est au Mexique, où on voit cette espèce de personnage qui tient le sac devant lui, dans un grand dragon, on a l'impression qu'il est dans un cockpit. Et ça a plutôt l'air d'être une clé, en fait, peut-être pour faire démarrer l'engin ou la C'est ça. piloter.
et qu'on retrouve également dans d'autres comme en bas-relief en Égypte ou aussi sur l'île de Pâques. Et en Égypte, c'est plutôt la croix Ankh qui servirait d'objet technologique pour pouvoir faire actionner peut-être une capsule, un vaisseau. Moi, Alors, de là, est-ce que ça tranche? Ouais, je là. pense qu'on focalise trop notre obsession pour la technologie et les avancées technologiques et on fait preuve d'ethnocentrisme en pensant comme ça. Et je pense que les représentations symboliques de ces statues-là, elles ne sont pas sur la technologie. Elles sont sur quelque chose de beaucoup plus symbolique et de beaucoup plus profond, à mon sens, que des clés ou ou une scie à rocher. Mais c'est que mon point de vue. Moi, je dis Ouais. qu'il y a plusieurs. Enfin, je vais dans ton sens, dans l'idée que on aurait deux ou trois niveaux de lecture, un peu comme avec les hiéroglyphes, où voilà, certains disent qu'il y aurait quatre niveaux de lecture, où voilà, il y a la lecture littérale, comme la Bible, hein, et puis il y aurait d'autres lectures un peu plus symboliques et métaphysiques. Et c'est peut-être le cas pour un symbole comme celui-là, comme la Ouais, en pomme de effet, ouais. pin qu'on voit à chaque fois La avec les fameuse pomme de sacs. pin, ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, pour le plaisir des yeux, celle-ci, je la remets, il me semble que tu l'avais utilisée pour les émissions, Romain. Ouais. Donc, la mise en image, en couleur, là, on n'est plus du tout sur du croquis crayon papier, on est sur de l'illustration numérique, avec tablette graphique. Voilà. Et je vous mets les petits détails. Je sais pas si vous voyez, voilà, genre Oh là. l'éléphant, il était là. Là, c'était la charrette qui était ici, avec Enfin. le gentil Trilithide dessus, qui se On raconte, dirait qu'il genre. fait wesh, c'est grâce à moi que tu vois les travaux, mon frère humain. Hey, vas-y. C'est le Eddie Murphy De l'époque, ouais. C'est Il ça. est trop bien. Mais régulièrement, hein. Par contre, cet outil Mokhtar qu'on voit utilisé pour couper la roche, là c'est quelque chose que tu as que tu dont tu gardes un souvenir ou là aussi on est dans une construction mentale? Alors, pour moi, c'est là, on est pour cette image-là, pour cette représentation-là, très clairement sur de la construction mentale, de l'imagination, si vous préférez. Pour moi, parce que je ne travaillais pas sur les chantiers à l'époque. Donc, concrètement, je ne voyais pas les outils. Et maintenant, je me souviens que les mecs parlaient qu'ils utilisaient un outil. Alors, du coup, j'ai essayé de lui donner forme. D'accord. Est-ce que ouais, c'est clair ou pas? Si, Ou... non, je comprends. J'espère. En tout cas, il y avait ce que tu dis confirme qu'ils avaient, selon toi, un outil qui Ah oui. permettait d'avoir cette action sur les roches. Mais alors c'est vrai qu'on j'en ai pas trop parlé pour le moment, parce que on va arriver hein, sur les questions des outils un peu spécifiques, dont certains je me souviens assez clairement. D'autres qui sont, désolé, c'est encore flou pour moi, ou peut-être juste je m'en souviens plus, tout simplement. Parce que là, pareil. Je fais une petite parenthèse. Encore une fois, je veux pas choquer, certaines personnes, mais moi, quand j'entends des personnes me dire, je me souviens parfaitement de mes vies antérieures, oh, j'ai rien, mais comme ça, quoi. Je me souviens déjà pas de ma propre vie parfaitement. Comment voulez-vous que je me souvienne de vie antérieure parfaitement? Pour moi, c'est très. Enfin, je comprends pas. Toi, tu as des bribes, des éléments et tu essaies de les rassembler. Et là, cette vie à Mu est la vie très clairement dont je me souviens le plus. Et même là, j'ai des pans entiers que c'est le noir. Je vois pas. Oui, mais c'est propre à chaque être humain. Il va y avoir des gens qui vont vivre des situations qui vont être complètement différentes de l'un à l'autre. Et il peut être possible que tu en aies qui ont des mémoires un peu, je dirais pas absolues, mais en tout cas Ah oui, très une mémoire fortes, parce édite, ouais. que l'émotion est tellement puissante quand tu vas revivre une vie antérieure, que ça va marquer au point que tu vas t'en souvenir très fortement. Et puis d'autres qui auront des bribes, puis d'autres qui verront rien. Des mecs comme Mais moi c'est... qui passeront leur temps à chercher leurs clés, alors leur demandez pas de se rappeler des vies antérieures, quoi. Alors, je voudrais juste faire un petit topo sur le dessin que tu montres et sur le lieu, parce qu'on est au bord du lac oui. Titicaca, Attends, je reviens sur la... donc sur le site qui s'appelle Kenhuani, qui est très peu connu, mais qui est à quelques encablures de Tiwanaku. Et donc, je faisais le parallèle sur le fait que c'était peut-être la même civilisation qui avait construit et taillé ce site dont on ne sait pas grand-chose, et Tiwanaku. Et le clin d'œil, c'était avec les éléphants derrière, puisque sur Les Tiwanaku, fameux. pour ceux qui se souviennent, il y avait un petit
sur la porte du soleil, en fait, à un moment donné, on distingue comme peut-être la vision frontale d'un éléphant. Et alors que, bon, en Amérique du Sud, hein, il n'y a pas eu d'éléphant depuis 40 000 ans. Et donc, voilà, c'était l'anecdote aussi pour montrer ça. Et donc, du coup, s'il y a des éléphants, ça veut dire que ça remonte à il y a Ah, très très longtemps. très 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 loin, voilà, Tout à c'est fait. ça. D'accord. Avec des carrioles quand même, hein. Là, encore une fois, c'est assez compliqué. Moi, je suis admiratif du travail de Pascale Lafargue, qui, alors, pardon de le dire comme ça, mais je pense qu'elle est assez chanceuse parce que elle, ses souvenirs sont relativement contemporains. Donc, elle a la possibilité de faire des recherches historiques, archéologiques. Alors que moi, là, en minima, Oui. dans mes recherches sur Mu, on est à moins 40 000 ans. Ça, c'est un minima. Alors, pour trouver des preuves, vas-y, rame, mec. Rame. C'est. Bah y en a pas, c'est tout. Ou C'est tellement peu que c'en est. Enfin, voilà, ouais, quoi. non, c'est trop compliqué en fait. On est à Quand on chaque sait qu'il fois y a que dans énormément de l'hypothèse. sites qui ont été. Qui, là, en un siècle, a été détruit, notamment dans les îles au Pacifique. Voilà, on voit qu'il y a très clairement une volonté de rayer cette histoire de l'histoire. Mais elle réapparaîtrait un jour peut-être où des prophéties annoncent que l'Atlantide est mue, enfin, en tout cas des îles ou des îlots réapparaîtraient un jour et sortiraient de l'eau d'ici quelques siècles ou milliers d'années. Donc un jour Je ne sais peut-être pas. on aura les preuves. Je ne sais pas. Les quelques visions d'avenir que j'ai sont vraiment pas faciles à discerner, encore moins que les visions de vie antérieures. Donc, je vais éviter de rentrer dans le sujet. Donc voilà, donc hop, on part sur la suite, les fameux outils volants. Là, vous avez sur la. Donc, on a déjà parlé hein, de ce fameux condor des mystérieuses cités d'or. Plus intrigant, c'est cet être à l'aspect de Ici, lion. tout à fait, l'espèce félidée. Moi, comme je vous disais, ça fait très longtemps que je les vois. Dans le et là, ce souvenir-là, très précis. Alors attendez, hop, on arrive. On l'a agrandi un petit peu. Le souvenir que j'en ai, donc toujours dans le voyage de compagnonnage avec le précepteur, à un moment donné, on est arrivé à ce qui ressemblerait à la Suède. Et il y avait déjà un peuple qui ressemblait, mais méchamment, aux Vikings. Mais alors quelque chose de impressionnant. Comme si cette culture avait déjà existé à ce moment-là. Et donc on arrive dans un tout petit village. Lui doit voir cette aide pour parler de trucs que moi j'étais pas au courant. Et en fait, c'est donc lui qui a demandé à me voir. Et j'ai juste cette vision-là de lui assis dans une baraque vraiment typiquement viking. Vous voyez la série Vikings, ça? Tout pareil. Ah bah il a Les l'air mêmes. bien bien peinard avec sa Ah coupe ouais, il est pépère comme là. ça avec Vas-y mec, son truc assis-toi. d'hydromel. Vas-y, picole. Est-ce qu'on est sûr que c'est une coupe ce que tu as dessiné, ces souvenirs Ah que l'on oui. a? Ah, c'est. Ah non, il picolait le mec. On Ah dirait une ouais. corne, une corne. Ouais, Et c'est chose ça. particulière pour le coup par rapport aux différentes illustrations d'êtres félidés qu'il peut y avoir sur la toile, souvent on les représente genre en toge comme en Rome ou en Grèce antique. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Maintenant, moi par exemple là, c'est littéralement une armure type japonaise. On est vraiment sur et très exactement la même chose. Anton Parks les décrit comme des guerriers, hein. C'est Ouais. il les appelle les Urma, et c'est la milice en fait au service des planificateurs dans la galaxie, et c'est eux qui seraient censés faire pas le sale boulot, mais en tout cas être l'armée au service des planificateurs, donc plutôt des guerriers, De quoi. force d'ordre, ouais, carrément. Mais moi, j'entends le discours des gens qui me disent, ah, ce sont des êtres de lumière, de machin. Bah, peut-être. Moi, j'ai jamais eu de mauvais retour avec eux. Je me suis toujours très bien entendu avec eux. Que ce soit là dans cette vie-là ou aujourd'hui genre dans les visites du plan astral tout ça ce qu'on avait vu au début hein, ça s'est toujours très bien passé. Maintenant je les ai jamais considérés comme des personnes non violentes. Ah non 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 c'est enfin ce sont des félins quoi. À un moment donné voilà vous voyez vos chats c'est pareil. Ils aiment bien les câlins mais s'ils peuvent aller chasser et jouer avec un truc jusqu'à ce que ça meure hein, voilà ils vont être contents aussi.
Oui, cette planche, je l'avais gardée telle quelle. Pour vous dire, j'aurais peut-être dû en parler au début. Pour moi, dans le souvenir antérieur, donc à l'époque de Mu, il n'y avait que deux espèces qui se sont présentées comme venant d'autres planètes. Il y a donc cette espèce de félidée, où le mec, c'est ce qu'il m'expliquait à ce moment-là, il me disait qu'ils avaient déjà colonisé plusieurs planètes, et en fait, ils ont une civilisation, entre guillemets, intergalactique. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus localisés dans un seul système solaire, ils ont plusieurs planètes. Alors, il ne m'a pas donné le nombre ni la localité, hein. Et puis, très sincèrement, ce n'était pas trop ce qui me venait à l'esprit à l'époque. Voilà, la deuxième, c'est les grands reptiles, ce qu'on appelle les reptiliens en ufologie. Mmh. Après, tous les autres étaient terriens. Les êtres type momie tridactyle de Nazca, moi, mon précepteur, il ne m'a jamais dit qu'il venait des étoiles. Jamais. Au contraire, il m'a toujours dit qu'il venait de la Terre. Il y a juste que son espèce et sa civilisation étaient là avant Néandertal. Ce qui m'amène à vous parler qu'à l'époque, ce qu'on appelait humain, on était très loin des petites guéguerres intestines qu'on a aujourd'hui. Toi, t'as quelle couleur de peau? On en était très, très loin. Vraiment, la distinction se faisait, c'est t'as un crâne allongé ou pas. Voilà. Et tous les autres, tout le reste, Néandertal, Homo sapiens, zut, c'est l'homme de... Ah, zut, les tout petits. Flores. Oui, merci. Les hommes de Flores. Dans mon souvenir, il y avait tout ça, en même temps, à la même époque. Donc le fameux discours, enfin la fameuse théorie que Homo sapiens aurait éradiqué Néandertal, pour moi, elle est pas vraiment fausse. Éradiqué, hein. Ils auraient vécu quand même ensemble, puisqu'on aurait 4% de notre ADN qui serait de Néandertal. Donc, c'est les recherches d'aujourd'hui, et tous les archéologues, enfin tous les anthropologues ne sont pas d'accord avec ça. C'est malheureux. Ouais. Malheureusement, il y a encore des anthropologues qui... Non, c'est pour eux. Non, c'est Homo sapiens. Les mecs, ils sont restés sur la vision de ce navet de l'espace qui est la guerre du feu, de Néandertal était forcément un être stupide qui savait à peine taper sur des cailloux, alors que c'est complètement faux. On sait qu'il savait faire des cordes, on sait qu'il savait tisser, on sait qu'il savait faire des armes très complexes, on sait qu'il avait des connaissances en astronomie franchement poussées, pour ce qu'on imagine au départ, qu'il avait des coutumes mortuaires. Voilà, c'est à un moment donné, Néandertal était tout sauf un idiot. C'est un de mes petits cheval de bataille. Si on pouvait réhabiliter un Néandertal, ce serait super. donc voilà, on a Néandertal, les fameux au crâne allongé, et Homo sapiens sapiens, la classique, où je lui fais des espèces de tresses dreadlocks, choses comme ça. Là, une petite planche que j'ai gardée pour les Nuréens. Hein. Ah, pardon, juste avant, tu voulais me dire. Mokta, petite question. Oui, tu parles de ces humains au crâne allongé. Oui. Quelle est l'origine de ces crânes allongés? On a affaire à des êtres humains hybridés avec d'autres espèces, alors, ou alors on a affaire à une pratique de modification corporelle telle qu'on peut encore la voir dans certains pays d'Afrique ou autres? Alors, du coup, zut, je n'ai pas gardé cette planche, c'est dommage. Parce que j'avais fait une planche pour Romain, pour justement parler de la tradition de l'allongement de crâne artificiel. Et d'accord, où je montrais sur la planche, en fait, que déjà, cette culture-là, elle se retrouve partout sur la planète. C'est pas juste en Afrique ou juste un endroit. Non, c'est partout. Oui, il y a eu aussi des crânes de Paracas. Alors après, c'est là qu'on en arrive au point de la question, je pense, au point névralgique, c'est que les crânes de Paracas font partie, pour moi, de ce que je m'en souviens, très clairement, d'hybridation. C'est-à-dire que dans ce que je crois en savoir de l'époque, les fameux reptiliens, là, ils avaient de gros problèmes avec notre atmosphère. Du coup, ils ont pris une espèce et ils ont essayé de créer une espèce de réceptacle qui vivrait mieux sur la Terre. Et comme ça sont arrivés les crânes allongés. Parce que voilà, les reptiliens avaient cette espèce de croyance particulière,
qui, pour eux, il n'y avait pas de réincarnation au même sens que ce dont nous en parlons aujourd'hui, mais pour eux, ils étaient capables de migrer leur esprit dans un nouveau corps, même si ce corps était un clone, et surtout si c'était un clone. Maintenant, non, il ne faut pas que j'en dise plus, parce que ça, c'est justement c'est un des gros trucs de la première partie de l'œuvre que j'aimerais bien faire. D'accord. Quoi qu'il en soit, les éléments que tu nous donnes, ça rejoint ce que présente Anton Parks dans ses livres. C'est ce que Romain me disait. Oui, on recoupe un certain nombre d'informations. Et ce que je redirai pour la prochaine émission aussi en beaucoup plus détaillé. Ah, super. T'aurais dû me le dire. J'aurais passé. Non, mais on a déjà une bride d'infos. Il en faut. Merci. Ah bah carrément. Hein. Voilà. Donc la planche pour faire plaisir aux Nuréens. Concrètement, c'est toute la famille. Alors c'est la fameuse famille ufologie, archéologie mystérieuse. On retrouve un petit peu tous ces êtres. Moi, il y en a certains que j'ai très clairement vus. Après, il y en a d'autres que je n'ai jamais vus. Par exemple, l'espèce de menthe religieuse, j'en ai jamais croisé. Les êtres amphibiens, j'en ai jamais croisé. Les êtres à tête d'oiseau, non plus. Bon, les seuls êtres avec des... c'était pas des têtes d'oiseau, c'était des casques. Un peu à la Stargate. Vous savez, machin, pareil. Tout pareil. Il y a juste ces êtres-là. Ça, s'il y a des Nuréens qui peuvent me donner des pistes de recherche, c'était des êtres qui étaient très, très grands par rapport à nous et qui étaient semi-tangibles. Ça leur a demandé un effort de malade pour arriver à avoir une consistance. Bah, il va falloir que tu lises Anton Parks, hein, parce que ça fait partie de ce qu'il décrit comme étant avant les premières humanités, enfin, ce qu'il appelle les Namlu, et donc des êtres très très grands, translucides, et qui auraient vécu sur Terre pendant des millions d'années, très certainement. Okay. Et au moment où les reptiliens débarquent il y a 300 000 ans, ils s'en vont. Parce qu'ils sentent que l'énergie change et que bon, ils n'ont plus leur place à ce moment-là. Et il n'y en aurait aucun qui serait resté ? Parce que moi, cette vision-là, c'est à l'époque de Mu. Bah peut-être. Non, il ne donne pas plus de détails. Après, dans les ouvrages d'Anton Parks, il y a beaucoup, beaucoup d'informations également. Et il y a des fois, comme pour Mu, il y a 2 ou 3 pages maximum. Après, il n'y a pas plus de détails. Tu vois, c'est en recoupant d'autres choses qu'après, moi, je me fais mon truc. Voilà. Ok. Donc, on enchaîne avec ceux que j'ai vus. Voilà. Donc, qu'on soit bien clair, les modifications génétiques ne se faisaient pas adultes. Parce que généralement, ça n'allait pas bien. Je vais faire un petit zoom. Attention, on est parti. Donc, on a au premier plan. Ah oui, là. On a au premier plan donc les êtres tridactyles avec ce qui ressemble mais méchamment au fameux tricorder de Star Trek. Mais on est vraiment sur le même type de truc. C'est-à-dire c'est un tout petit objet, ça faisait de la lumière, il n'y avait rien qui s'affichait, aucun symbole, et les mecs comprenaient des trucs. Mm-hmm. Tout comme dans Star Trek. Pareil. Ils sont là. Ah oui, il a ça. Ah bon ? Ok. Voilà. C'est parti de ces machins, je sais pas de quoi. L'humain, donc l'Homo sapiens sapiens, très, très gros clin d'œil à Will Smith. Voilà, on parlait tout à l'heure de la question du pseudonyme et de la question de l'anonymat. Autant je suis fan du travail artistique de Will Smith, autant ce qu'il fait dans sa vie privée ou sur quand il va recevoir un machin, j'en ai rien à faire. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de le voir dans des films. Ensuite, Néandertal. L'appareil, il avait une espèce d'interface, mais pour les machines simples, genre ouvrir les portes, allumer la lumière, des trucs. Comme je vous disais, tout ce qui n'était pas crâne allongé, c'était relayé au second plan, quoi. C'était pas de l'esclavage, mais on n'en était clairement pas loin. Et ensuite, enfin, le fameux reptilien tridactyle, avec le joli bracelet pour bien signifier son rang social, et cette espèce d'interface que j'ai réutilisé sur plusieurs autres illustrations, qui servait, selon toute vraisemblance, à utiliser des machines complexes comme celles qu'on voit ici. En grand. Et là, la machine, quel est le but, qu'est-ce qui se passe concrètement sur cette scène ? Là, ils sont en train de regarder l'évolution sur le génome de la personne. Là, encore une fois, je suis désolé, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail. Je peux vous dire que cet outil-là,
On pouvait s'en servir. Généralement, ils s'en servaient soit sur des fœtus, soit sur des embryons D'accord. pour manipuler les gènes. Après, dès qu'ils passaient l'adolescence, ils arrêtaient parce que ça créait des difformités, des machins. Un vrai Ouais. film d'horreur, l'affaire. Ça rappelle énormément un épisode de Stargate, d'ailleurs, où le Goa'uld de Nirti, il utilise Oui! mais alors, un genre d'appareil qui ressemble énormément à ça et qui modifie l'ADN avec des espèces de monstres, en fait, et Ouais, qui ça leur devient des donne, monstres, des machins. ils ont des capacités cognitives, genre, ils peuvent déplacer les objets, ils peuvent Ouais, il y en a un bloquer qui les est gens. télépathe, hein, ouais. Tout à Ouais, mais fait. carrément, carrément. C'est Est-ce que ça d'ailleurs, ça... Ouais. j'en parle dans le petit texte au début du livre, de toutes ces œuvres. Nous, on va parler de pop culture, mais même de ces œuvres, plus largement de ces œuvres artistiques, où très clairement, ça va au-delà de l'inspiration. À un moment donné, ça ressemble tellement à ce qui est que est-ce que la personne n'aurait pas été quelque part touchée par le divin, Bah, par la muse? elle a eu des visions, voilà, comme toi t'as eu, et comme James Cameron a eu, comme George Lucas a eu, comme Steven Spielberg a eu. Enfin, pour moi, on est clairement face à des êtres humains qui sont aussi inspirés que ce que tu nous présentes là, et qui eux en ont fait des films. Et à un moment donné, on est connecté à la même source ou la même matrice, et on reçoit des informations alors légèrement différentes. Mais depuis tout à l'heure, tu vois, on voit bien, on croise plein plein d'infos sur plusieurs auteurs, sur des œuvres de science-fiction. Et bah non, c'est pas lié au hasard. Enfin, pour moi, ça n'est pas du tout lié au hasard. Et ouais, après on pourrait parler synchronicité, de choses comme ça, mais voilà, enfin j'ai pas plus d'explications très sincèrement. Je suis désolé. Non, mais il y en a déjà Tiens, beaucoup, là. une autre machine qui est assez sympathique, la boîte mystérieuse, ou plutôt la boîte de connaissances. Parce qu'en fait, la boîte, quand elle n'est pas allumée, elle est quasi noire, là, comme elle a dans les mains. Faut que j'arrête de pointer du doigt et il faut que je mette la souris dessus. On ne voit pas ton doigt, Mokta. C'est ça, c'est ça. Donc la machine est quasi noire quand elle est éteinte. Et quand elle s'allume, elle devient dorée. Il y a un hologramme. Et en fait, c'est ça l'interface. C'est comme un ordinateur, c'est vraiment le même principe. C'est-à-dire que vous avez différents symboles là qui ressortent. Hop, vous en touchiez un. C'est comme si vous double-cliquez sur un dossier dans votre ordinateur. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il va y avoir une autre image qui va arriver, hop, et qui va vous donner un certain nombre d'informations, de choses et d'autres. Ça, je suis désolé, je pourrais pas. Voilà, petit agrandissement. Je me suis fait des petits plaisirs avec les lignes de Nazca. Mais il revient Si on les souvent, voit. référence, le symbole de la spirale et des trois petits pics, là, Et ça revient souvent dans tes dessins. alors le, c'est là-dessus on a eu, on a quand, je sais pas comment dire. C'est avec Franck Ferrandis. Avec l'ami Franck, rien que sur ce dessin. Parce qu'à un moment donné, il essayait d'expliquer à quelqu'un la question de Musubi et des différents symboles. Et là, on est, pour la culture nippone, on est vraiment sur le symbole de Musubi. D'accord. Et il y a toute une lecture, toute une traduction à faire, une certaine compréhension. Parce que là encore, on est face à des idéogrammes, c'est-à-dire des choses qui veulent dire plusieurs choses à la fois. Ouais, ok. Voilà. Là, un que t'aimes bien. Je vais peut-être juste prendre un petit moment parce que là, voilà. Ok, on est parti pour 3 heures, Guillaume, c'est bon pour toi? Oh, mais moi je suis présent, y a pas de problème. Désolé, je Non, pensais qu'on non. irait plus vite. Il n'y a pas de souci, on prend le temps qu'il faut, les Ah. amis. Donc, ça, souvenir antérieur d'un abri pour Tridaki, enfin d'un abri. Enfin, ce qui semblerait être leur maison. Donc, ça rejoindrait le fameux peuple des fourmis, hein, chez les Amérindiens, effectivement, parce qu'on est vraiment sous la terre. Là, je fais un tout petit, parce que là, au fond, il y avait une espèce de boule qui créait de la lumière. Et à un moment donné, donc, je voyais ces tables, et je voyais qu'il y avait comme des inscriptions dessus. Je m'approchais pour essayer de voir, de lire, et à un moment donné, je pose la main sur la table, et c'est là qu'arrive l'hologramme. Et d'un côté, on voit ce qui était un genre de vaisseau spatial. Mais en fait, j'ai pas compris ce que disait, parce qu'il y avait une voix en même temps, comme un message préenregistré. Et je pense que j'avais encore des problèmes pour comprendre la langue. Parce qu'il y a très clairement,
Je sais pas. J'entends un truc, mais je ne le comprends pas, en fait. Et de l'autre côté, il y avait un système solaire, mais qui n'était pas le nôtre. D'accord. Voilà. Juste pour le plaisir des yeux, la version couleur. Voilà, c'est celui-là que j'adore quand il est en couleur. Je trouve qu'il se dégage vraiment une espèce de. T'as réussi à capter quelque chose dans ce dessin, dans le regard, dans la posture, dans. Elle est présente, tu vois, la créature, là, parce qu'on bah, on peut pas parler d'être humain, enfin, en tout cas, d'une Ah bah non, non, hybridation non. très avancée. Comme si elle se demandait ce qu'il foutait là, quoi. Elle est là et qu'est-ce qui se passe, quoi? Non, mais Qu'est-ce c'est étonnant. Ouais. Il y a vraiment un truc. Oui, qu'est-ce que tu veux, quoi? Qu'est-ce que tu m'as créé là et maintenant? C'est quoi la suite? Donc les petits zooms, voilà. Voilà. Et est-ce que tu t'es Oui. inspiré du coup de Maria, la Ah mermite oui. reptile, quand même de. Maria m'a très clairement servi de modèle, enfin servi de Ouais, base, en tout ouais. cas. Pour plusieurs illustrations, là, c'est vrai que ce soir, tout à l'heure, on en a parlé très rapidement en dessous du travail qu'on a fait sur Soudama. C'est une des grottes de Barabar, pardon, on va peut-être préciser. Donc, un travail sur lequel on a travaillé avec ton ami Frédéric, rappelle-moi son nom de famille. Frédéric Michelot. Voilà, Frédéric Michelot. C'est un travail qu'on a fait à trois, donc sur une des grottes de Barabar. La grotte en question, c'est la grotte de Soudama. Vous pouvez en voir des versions sur Facebook ou Twitter. Si vous descendez, vous verrez à un moment donné les fameuses illustrations. Et effectivement, cet être tridactyle de grande taille est très clairement inspiré de la momie dite Maria, qui est Voilà, une grande momie d'1,70 m environ. c'est inspiré parce que là, tu as mis des doigts de pied. Alors, on ne sait pas si c'est presque des mains de singe plutôt que des Ah non, pieds, en non. fait. Et puis, le crâne, il n'est pas aussi allongé de mémoire. Il est Oui, allongé, mais pas mais plutôt autant. en forme de cône, mais pas autant. Ouais. Du coup, on ne peut pas parler des momies tridactyles et de tous ces sujets-là sans parler de l'ami Ah, la Manu transition Alterac, parfaite. très clairement, qui fait un travail, mais alors à la fois de fourmi et de géant. Moi, j'ai entendu parler pour la première fois du travail de Manu Alterac, c'était à l'époque. Je ne sais pas comment, je l'avais eu dans mes contacts. Et à un moment donné, je vois une de ces annonces. Oui, je cherche des figurations d'êtres tridactyles. Si vous envoyez sur un site archéologique, n'hésitez pas, envoyez-moi MP. Et à un moment donné, j'en avais trouvé un, je lui avais envoyé. Et c'est là que j'ai appris quel était son travail. Et il a fait un travail, mais de malade mental, Ouais, de c'est clair. récupération d'informations à travers le monde. On n'est plus à un ou deux exemples. Là, on parle de milliers. Mon cœur aurait envie de dire millions, même si il y en aurait très certainement pas des millions, mais il Ouais, y en a des milliers et t'es c'est. un peu marseillais. Ah, je viens du sud, les mecs, hein, au bout d'un moment. Les sardines, on les trouve pas que dans le port, hein, je vous le dis. Mais donc voilà, vraiment des milliers et des milliers de représentations. Là, ce qu'on pourrait peut-être dire, faire un petit spoiler alerte. Pour ceux qui le suivent le savent déjà, le Manu est en train de travailler à sortir un livre sur ses recherches. On a hâte, mon Manu, que tu nous le sortes. Vraiment. J'espère que tu auras de quoi nous montrer à la fin du mois. Oups. Ouais, on va se faire un petit colloque Bah, on pourra peut-être venir sur Nuria TV, hein. entre Ah bah amateurs de. je pense que Manu a toute sa place parmi nous. Ah bah je rêve de le voir un jour sur Nuria TV. La dernière fois que je lui ai J'avais néanmoins demandé. tendance à penser que sur certains exemples, à trop vouloir voir des représentations, on en voit de partout. C'est le seul bémol que je mettrais à ses travaux qui pourtant sont passionnants. Il a énormément de talent en tant qu'artiste. En tant que chercheur, je trouve que ce qu'il a fait est assez imposant et assez impressionnant. Maintenant, je mets juste un petit bémol sur le fait que, à trop vouloir voir, vous savez, c'est un peu comme les pareils d'Oli, hein. Enfin, c'est le principe de pareils d'Oli. Je pense qu'il y a certaines représentations que lui estime être des représentations tridactyles, qui pour moi, mais là c'est très subjectif, n'en sont pas. Ceci dit, sur tout le corpus
sur lequel il investigue, je pense qu'il y en a quand même une bonne partie qui sont des représentations d'êtres tels qu'on les décrit. Mais pas tous, c'est mon petit bémol, et je fais un gros coucou à Manu parce que, encore une fois, c'est bien de le mettre en avant aussi, et j'ai hâte d'en savoir plus sur la sortie de ce livre. Juste pour Guillaume, parce qu'on l'a eu, enfin, on s'est vu sur Messenger un petit peu avant, il m'a demandé de vous transmettre un message. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher sa phrase. Allez. Observez la roche sur les sites mégalithiques, car elle aussi vous regarde. Voilà. C'est plein de C'était blagues. le petit mot de Manu. Manu se transforme en Père Foura. Merci, Manu. Avec des mystères. Non, non, mais je prends bonne note. Encore une fois, c'est pas parce que je mets un petit bémol sur certaines appréciations qu'il a sur certains bas-reliefs et autres que je ne porte pas intérêt et à son avis et à son travail. Donc, on va suivre ça de près. Et je pense qu'un livre serait une bonne chose pour faire un premier état des lieux de ces montagnes de recherche qu'il a là-bas. C'est ce que j'allais dire en fait, c'est en mettant bout à bout en fait à travers toute une histoire, tout ce qu'il a pu trouver, qu'on pourra se rendre compte vraiment en fait de l'ampleur du travail qu'il a Ben, je pense. abattu Ouais. et donc ben ouais à suivre hein, Manu. Et puis Manu, Ah c'est un des ouais. premiers qui nous avait envoyé sur Nuria. À l'époque, sur le site, on mettait aussi pas mal d'images. Et dès le début, il nous envoyait ses recherches. Il nous envoyait des planches entières de ses travaux. Et effectivement, ça couvre toute la planète. Il y a des choses assez interloquantes. Parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a le partage de l'information, de la connaissance. Quand bien même, toi, tu vois un bémol, mais enfin, moi, c'est la façon dont il, très spontanément, quand on a échangé pareil, qui m'a permis d'utiliser son travail pour des émissions, j'ai été surpris en fait que tout de suite, en fait, il te donne énormément, énormément de Ah, choses. mais Et c'est... je te trouve, enfin, moi, c'est vraiment une qualité incroyable. Il y a peu de gens qui le font quand même. Faut reconnaître. C'est clair. Ouais, non, mais C'est clair. je suis Bah, entièrement d'accord. en vrai, je pense très sincèrement la même chose de mes trois comparses qui ont participé à ce livre. Tous les trois, vous êtes à un niveau, les mecs. Et c'est pour ça, je me sens obligé, en arrivant sur Nuria, de mettre un gamin d'image. Vas-y, allez, tu vas faire pareil. C'est non, très clairement, très clairement. Le Manu, vraiment, j'ai eu cette chance de pouvoir discuter un peu plus dans le gras sur la question des images, justement, de comment il pouvait les traiter, comment il pouvait les observer. Enfin voilà, c'est une méthode de graphiste. Et du coup, ouais, je peux comprendre, hein, ce Ah que ben tu dis, après, moi, Guillaume, comme je vous dis, c'est et je pense que subjectif. tu as raison, qu'à un moment donné, il faut aussi savoir garder un certain recul. Mais je vous dirais bien que c'est la même chose. Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire par rapport à ces souvenirs antérieurs. C'est à un moment donné, j'essaye le plus possible de voir ce qui colle avec la réalité. Parce que sinon, après, ben, malheureusement, on voit ce qu'on veut où on veut. Je pense qu'il y a un moment, il faut un C'est. travail de sélection et éliminer certains biais. Mais encore une fois, le corpus que lui sur lequel il travaille est tellement immense que je sais que dans le tas, il y en a quand même une bonne partie et la partie en question suffit à montrer qu'il y a quelque chose d'assez incroyable. En plus, moi, pour la petite anecdote, Manu, c'est quelqu'un que j'adore parce qu'il m'avait fait un cadeau. Alors, j'adore pas les gens parce qu'ils me font des cadeaux, mais on s'est rencontrés à Dijon pour un salon. Il était venu et il m'a offert, tenez-vous bien, une place de concert du groupe Nirvana. Parce que Manu, c'est un mec qui a vu Nirvana en concert. Et il sait que moi, je suis un fan absolu de Kurt Cobain et sa bande. Et donc, grâce à Manu, j'ai un ticket de concert d'un concert qu'il a vu du groupe Nirvana. Voilà, c'était la petite anecdote. Et je lui fais un gros bisou à Manu. Donc Tu voulais là, dire non, mon Robin? Ah pour oui? revenir à la présentation, donc c'est tout ce qu'on vient de voir, c'est la vie sur Mu d'après tes visions, notamment Voilà. ce qu'on voit avec Manu, hein, c'est ça? Mu et alentour. Mu Mu et alentour, hein, alentour, parce d'accord. y a pas que Mu. On a un tout petit peu parlé de l'Atlantide. Ben là, on va plus ou moins y revenir. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez regardé les émissions Café Romain, vous le savez, cette Moi, je les ai histoire-là. vus, hein. Ok. Il est en forme ce soir, il est en forme. Je vois ça, je vois ça. C'est super, c'est génial. Donc cette histoire Mu l'Atlantide ne se termine très clairement pas bien. On arrive ici. Dans mon souvenir, l'Atlantide, pour différentes raisons, il y en a eu plusieurs. Il y a pas eu, enfin, c'était pas un motif en particulier.
Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que ça a fait escalade. Là, on est vraiment sur l'attaque de l'île capitale de Mu, qui a été littéralement rasée par les Atlantes. Là-dessus, très franchement, de mon point de vue, il n'y a eu aucun sage ou maître de sagesse dont il vaille la peine de se rappeler le nom, parce qu'on est tous partis en cacahuète, au point qu'on a failli flinguer la planète. C'est qu'on soit bien clair. Parce que juste après donc la destruction complète de l'île capitale, on se retrouve avec les Muins, hein, qui attaquent l'Atlantide et qui leur font pas du bien. D'ailleurs, dans les Nuréens, s'il y en a qui sont férus de météorologie ou qui pourraient m'indiquer comment, enfin, quel. C'est bizarre, je ne sais pas si c'était chez moi ou Tiens pas. donc, un phénomène J'ai paranormal en plein direct. un son, un son. Donc, s'il y en a qui sont donc férus en météorologie ou qui s'y connaissent un peu ou qui auraient des pistes, je serais preneur. Je vais vous décrire ce nuage. Si vous avez des pistes, si possible scientifiques, sur le qu'est-ce que, je suis preneur. Donc le nuage que vous voyez ici, le nuage était d'un noir vraiment noir de jais, comme j'en ai pas retrouvé sur des photos. Et quand j'essaierai de l'illustrer en couleur, je vais avoir pas mal de mal. Et surtout, les éclairs étaient violets. Et alors, de mémoire, j'ai jamais vu d'éclairs violets. Je sais pas du tout. Et le plus dingue, c'est que quand ça touchait les gens, ça les faisait pas comme un éclair normal, hop, point d'entrée, point de sortie, et hop, arrêt cardiaque, du tout. Ça les dispersait en poussière, à la Thanos, dans le Ça film, les les Avengers. pulvérisait, ça les vaporisait. Mais ouais, enfin, ouais, je peux te Et dire que les Atlantes, ils emmenaient pas large, quoi. petite question, Mokta, en bas à droite, avec sur fond noir, on voit cette drôle de farandole. De quoi s'agit-il? Alors, c'est la seule vision que j'ai sur comment a été créé ce nuage. Et alors, je suis Ah oui. désolé, la vision est vraiment très peu précise. Ils sont dans un genre de liquide. Et je ne sais pas ce qu'ils font, concrètement. Non, mais en vrai, Mais le machin, ça c'est fait en des lien bulles. avec l'attaque de l'Atlantide? Ah oui, complètement. Complètement. Mais eux, là, ils sont pas du tout à côté ou dans le nuage. Ça a été d'ailleurs une des grosses erreurs des Atlantes. Les mecs ils sont rentrés dedans en se disant, ah tiens, il doit y avoir une machine, on va la dézinguer et comme ça s'arrête. Erreur, il n'y avait pas Oui, de machine. ça a l'air d'être qu'à plusieurs, en fait, ils créent une espèce de champ d'énergie avec leur puissance psychique. Et derrière, ils peuvent contrôler un nuage ou des éclairs en restant dans cette posture-là. Et ça me paraîtrait cohérent, en fait, dans Sachant l'idée. que. Ouais. J'abonde dans ton sens parce que ça, c'est juste un petit détail que je ne vous ai pas dit. Les mecs, il était clair dans leur tête qu'ils ne survivraient pas à ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si la machine Oui. allait, au final, les tuer. Au Impressionnant. service de la patrie, tu te sacrifies pour Non, détruire je vous dis, l'ennemi, quoi. pour moi, il n'y a pas eu de héros à cette époque-là. Aucun. Aucun. Juste faire un petit point sur les Atlantes. Je sais pas si on voit très bien l'image. On a les deux premiers personnages, hein, le vieux monsieur et la jeune fille, qui ont un cristal en plein sur le front. Les Atlantes, pendant un temps, faisaient des tout petits une incision sur la peau. Ils creusaient l'os frontal et ils y collaient un cristal. Alors, c'est un cristal spécifique. Ne vous amusez pas à faire ça avec du cristal de roche. Déjà, c'est dangereux et éventuellement, vous allez tuer la personne sur qui vous le faites. D'accord? Donc, on va C'est éviter. bien de le préciser. Sachant que, ouais, pendant un temps, ils le faisaient dès enfants. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'à force dans le temps, ça changeait la chimie du cerveau et ça les rendait. Voilà. C'est dingue parce que tu décris très exactement alors un livre très connu dans la culture New Age, c'est Le Troisième Œil de Lobsang D'accord. Rampa.
Donc c'est l'histoire qui raconte de sa formation en tant que moine tibétain et de lama avant l'envahissement du Tibet par la Chine, donc au début du XXe siècle. Et à un moment donné, il décrit cette opération où on lui en sert alors c'est une petite pierre qui a été trempée dans des plantes pendant des semaines et des mois pour justement accentuer l'ouverture de son troisième œil. Ils appellent ça l'ouverture du troisième œil, en fait, voilà, dans le crâne, Voilà, comme ça. je connais l'Obsang Wampa, j'ai fait une petite représentation, notamment sur la caverne des anciens, mais j'ai pas lu le troisième, il faudra que je choque. Ah bah c'est exactement ce que tu racontes, c'est marrant. Cool. Et donc du coup, en fait là, à ce moment-là, chez les Atlantes, ils le faisaient plus sur les tout-petits, et en fait c'était des genres de prêtres. C'est-à-dire les mecs, ils allaient étudier, 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 après ils prodiguaient l'enseignement, et arrivé à un certain âge, on leur faisait l'opération. Et il n'y a que l'espèce de... On a dit qu'on restait gentil. Donc la nouvelle reine de l'Atlantide, qui était une personne merveilleuse et formidable, si tant est qu'elle vous sourit, si je me fais bien comprendre, qui elle s'est dit un peu à la manière à la Game of Thrones, c'est genre, ah, moi... Je ne le crains pas. Et pique, elle s'est fait l'opération très tôt. Et du coup, ça, moi, je me demande si ça viendrait pas de là, que les mauvais rapports n'aient pas réussi à se temporiser et que ce soit rentré en conflit. Je me demande s'il n'y a pas une piste de ce niveau-là. À ce niveau-là, tout du moins. Voilà. Il faut qu'on accélère, c'est plus possible. Alors, ensuite, donc une fois qu'il y a eu ça, le truc c'est que Mu, ça a été la débandade, les mecs sont partis de tous les côtés. En Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au Japon, en Chine, en Inde, partout. Ils sont partis littéralement dans tous les sens. Est-ce que les îles, elles ont sombré dans l'océan, dans tes visions? Énormément. Énormément. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il ne reste pas un dixième des îles qu'il y avait à l'époque. D'accord. C'est pour ça, moi, ça va être vraiment mon prochain travail. De faire cette carte et voir si on ne trouverait pas des ressemblances avec d'autres auteurs dont malheureusement je n'aurais pas lu les ouvrages. Désolé. Donc là voilà, donc Exode dans toutes les directions. On va peut-être faire un petit détour par l'Amérique du Sud, même si ce n'est pas mon sujet de prédilection pour les rescapés de Mu. Mais juste voilà, on parlait du travail de Manu tout à l'heure, qu'on voulait bien voir ce qu'on voulait. Ben là, je pense que les archéologues, enfin certains archéologues, ils voient ce qu'ils veulent dans ces sculptures. Là, on est face à des représentations, celle-ci et celle-ci, sont des représentations en deux dimensions, des temples, je crois, incas. C'est bien ça, Romain? Ce sont des temples incas Ah dans les coins bah incas, les fameux. Mais là je si, sais. le fameux, tu sais, c'est la même civilisation où il y a le tombeau de je sais plus quel roi, et il y a cette fameuse sculpture en 2D, deux profils, qui fait fortement penser à un mec qui pilote une fusée. Ah c'est chez les Mayas. Chez les Mayas, Oui, voilà. c'est le fameux roi, la représentation. Alors j'ai oublié le nom, toi tu dois l'avoir en bas. C'est Pacal, le roi Voilà. Voilà. Pacal, est dans la cité de Palenque, au Et voilà. Mexique. Il suffit de demander à Romain, il a tout ça. C'est ça. Mais c'est Par pour contre, ça que j'arrive j'aime bien Romain, moi. pas. Et ça, t'as retrouvé ça dans ce coin-là? Alors, les vues là, de profil, celui-ci Ouais. aussi, il y est. Sachant que j'ai agrémenté le fond, hein. Normalement, le fond, il n'est pas comme ça. Ah, d'accord. Mais donc, c'est juste pour dire. Pour moi, les archéologues font l'erreur de s'imaginer que c'est forcément quelque chose de religieux ou une représentation d'une divinité, d'un machin. Pour moi, quand je vois ces sculptures, mon premier réflexe, c'est de penser à une machine et non à une divinité. Et ça a été le sens du travail graphique qu'il y a ici, c'est-à-dire une mise en trois dimensions. Imaginez, je vais vous donner un exemple. Imaginez qu'aujourd'hui, on fasse une sculpture en deux dimensions, deux profils d'une famille devant la télévision. Est-ce qu'on est vraiment certain que dans plusieurs centaines d'années ou plusieurs milliers d'années, les archéologues qui retrouveraient ces sculptures comprendraient ce qu'ils verraient. Pour peu qu'ils aient perdu la technologie ou juste qu'ils l'aient abandonnée, comment voulez-vous qu'ils sachent ce que représente cette sculpture? Au mieux, ils trouveront une télé ou un écran dont le verre ou le plexiglas n'est pas cassé, et ils se diront, ah ben tiens,
Regardez, dans cette société, ils vouent un culte à l'ego. Ce qui, étonnamment, serait assez juste. Mais concrètement, est-ce qu'ils connaîtraient l'outil et son utilité? Je pense que non. Et je pense qu'on commet exactement la même erreur par rapport à ces sculptures. C'est un avis personnel. Et tu fais bien de l'exprimer ici. Je pense un petit peu la même chose. Voilà, sur les fameux... Là, c'est toi, mon Romain, qui connaît mieux, qui sait mieux les références, tout ça, tout ça. Bah ça, c'est les astronefs en or qu'on peut voir au musée de l'or à Bogota. Donc, ils sont petits, hein, ça doit faire, je sais pas, c'est entre 5 et 10 cm de hauteur. Il y en aura une trentaine, en fait, donc je suis jamais allé à ce musée. Mais donc, la grosse interrogation, c'est qu'est-ce que ça représente? Alors que quand tu... Donc, avec notre contexte à nous, hein, d'occidentaux au XXIe siècle, ça a tout l'air d'être des astronefs, enfin, la forme d'astronefs pour voler. Surtout qu'il y a eu des tests en aérodynamique, et très clairement, ils sont fonctionnels. Bah oui. C'est un peu comme l'oiseau en bois qu'ils ont retrouvé dans un, je crois, dans un tombeau égyptien. Oui. Un oiseau en bois, tout pareil, et qui ne ressemble pas littéralement à un oiseau, et qui pourtant est aérodynamique. Bah oui, quand tu jettes en l'air, il vole. Voilà, et donc on peut très clairement se poser des questions. Ce qui nous amène naturellement à la question du Machu Picchu, et de ce que moi j'ai vu lors de sa première utilisation. Donc ça, c'est le Machu Picchu qu'on voit là? Là, ouais, c'est le tout premier dessin que j'ai fait à l'époque. Ouais. On est tout en haut. D'accord. Et l'être qui regarde, c'est quoi? Alors, c'est censé être moi à l'époque. Ah. Voilà. Voilà, ça voilà. Ça change de la petite fille qu'on a eue tout à l'heure. Tu avais pris du galon. Plus le même âge, là. Eh non, on reste pas tout petit toute sa vie. Voilà, une version pour le plaisir des yeux. Là encore une fois, je vais faire des zooms. J'attire votre attention. Il y a un petit escalier qui continue ici et il y a un point. On voit pas bien ce que c'est. Alors attention, voilà. C'est une petite cabane. Ouais, une espèce de caillou tout en haut. Et où j'ai essayé de représenter le fameux auricalque. Le fameux auricalque en toiture. Voilà, voilà. Là, on va retrouver certains éléments qu'on va voir juste après sur ce qui, d'après moi, servait de communication énergétique. Oui, donc là, c'est pour dire que tu as repris là, une photo d'aujourd'hui de Machu Picchu pour la remettre à la sauce de ce que tu imagines que ça aurait pu être il y a des siècles ou des milliers d'années. Tout à fait. L'idée, c'est ça. J'ai pris une photo qui est déjà existante, qui est assez facile à trouver, je pense. Vous tapez Machu Picchu, vous avez à peu près même vue. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé tout ce qui, selon moi, ne fait pas partie de la première construction. Que très clairement, enfin, de mon point de vue, très clairement, ce site a été réemployé au moins une fois, au moins une. Et du coup, j'ai enlevé et j'ai fait en fonction de cette fameuse vision de tout à l'heure. Mmh. Avec des espèces de toitures en or, avec des machins, des bidules. Voilà, voilà. Ok. Et puis des grands bâtiments collectifs. Enfin, j'ai tout des à trucs, fait. Ouais. Ouais, intéressant. Ouais, ouais. On est ouais. Ensuite, ben encore une fois pour le plaisir des yeux, celle que tu avais déjà montrée la dernière fois sur la première partie. Donc le site de Sacré-Bois-Man éteint, allumé et juste. J'adore ça. Jour, nuit, jour, nuit. Ça. Et là, je vous ai fait des petits zooms pour que vous puissiez voir les points de différence. Sachant que moi, je me suis amusé à caler des petites références dans le dessin qu'on ne voit pas nécessairement en première lecture. C'est tout en bas de la pyramide. En fait, au pied, ici, vous avez ces espèces de moai. Ils sont tout, tout petits, là, ici. Et là, vous avez une des fameuses têtes Olmec ou Toltec, suivant l'archéologue. Ça, ils n'arrivent pas trop à se raccorder là-dessus. Alors juste, je vais me permettre de préciser d'où vient cette... Enfin, je l'ai dit dans l'émission il y a quelques semaines. Donc c'est pour revenir sur mon ami Frédéric Michelot, qui est donc dans un... On se fait des comme ça des projections de conscience ou remote viewing
sur des sites sur Terre. Et là, l'intention qu'on avait donnée, c'était de voir quelle était la fonction originelle du site de Sacsayhuaman. Et puis comme lui, il est clairvoyant, donc il a dessiné hein, carrément sur papier cette pyramide que j'ai ensuite retranscrite à Yvan. Et c'est de là que est né ce dessin et l'idée, hein, la fonction là, du réseau laser. Alors il appelle ça une pulsation scalaire donc, qui sort de la pyramide. Il y aurait deux autres pyramides comme ça sur Terre et les trois, en fait, croiseraient leur faisceau. Alors, c'est ce qu'il disait, hein, l'information qu'il a eue, pour empêcher un astéroïde de venir s'écraser sur Terre. Donc, l'idée, voilà, c'était ça à la base. Et donc, juste petite pub pour Frédéric, hein, donc il y aura le lien sur son site internet en dessous de la vidéo. Voilà, il est thérapeute, clairvoyant. Je l'avais encore jamais dit jusqu'à aujourd'hui, j'en parle assez souvent dans les émissions. Donc, voilà, ça, c'est fait. Et c'est très bien. Parce que tout à l'heure, au tout début, Guillaume, tu posais la question de comment je pouvais travailler. C'est vrai que c'est une chose dont j'ai pas parlé, je pensais pas en parler, mais je sais pas, on y vient. Vous connaissez très certainement la fameuse technique qu'on appelle l'écriture automatique. On essaye, hop, on ne cherche pas à écrire quelque chose, et parfois, il y a des choses cohérentes qui arrivent à en sortir. Moi, j'ai développé une technique qui est vraiment très très proche de cela, mais avec le dessin. Et notamment quand ce que j'essaye de faire le plus souvent, quand Romain vient me parler, là par exemple, le site de Sacsayhuaman, moi j'en ai pas de souvenir directement. Mais quand il me fait ses descriptions, j'essaye de laisser les choses venir pour vous donner une idée. Alors, encore une fois, c'est quelque chose que Romain a déjà présenté dans d'autres émissions. Je l'ai mis parce que c'est en lien avec l'époque de Mu. Moi, la première fois, il m'avait parlé de cette vision, donc de cette rencontre avec cet être féminin, avec le crâne allongé, avec un temple. J'ai commencé à essayer avec cette méthode de faire des croquis. Voilà ce qui est remonté. Et par la suite, Romain me montre le travail qu'avait fait François Ozinki dessus. Et quand je vois le niveau des œuvres de France, je dis, non mais attends, il faut que tu arrêtes avec tes petits dessins qui n'ont pas l'air de tenir très droit. Tu vas t'appuyer sur ses croquis à lui et tu vas faire une planche. Ah Voilà. oui. Donc Et là, du coup. France qui est France Lavigne qui est enfin si vous lisez si vous êtes lecteur des ouvrages de Anton Parks, il a illustré pratiquement tous ses ouvrages aujourd'hui. Là, vous voyez, c'est sa photo de profil sur YouTube. Je vous ai mis aussi le lien pour sa page DeviantArt. Moi, je vous invite à aller regarder son travail. Vraiment, c'est magnifique ce qu'il fait. Ah ouais, c'est vraiment incroyable. Dans l'idée en parlant de Mu et de technologie, je suis en train de faire des plans de coupe d'un bateau de l'époque de Mu. Je souhaite, dès que j'ai terminé ce travail de préparation, le lui passer pour qu'il fasse une modélisation 3D. Et le jour où je le sortirai, j'adorerais que des ingénieurs nautiques viennent me donner leur point de vue, sachant que moi j'ai zéro connaissance. Zéro. Je ne suis pas du tout ingénieur naval. Rien à voir. Alors, juste si tu remontes le dessin, sans aller Ouais. dans l'explication que j'ai donnée, Ouais. le grand être, donc ça, c'est moi qui l'ai vu dans une session de remote viewing aussi en allant sur l'île de Pâques, le palais, le temple à côté également. Et alors, Franz, il a rajouté l'être au crâne allongé, chauve, et le vaisseau à gauche, le vaisseau de transport suite à la destruction de Mu, en imaginant que c'était comme ça qu'ils avaient pu une partie de la population être sauvée. Et toi, tu as rajouté le cube dont tu parlais tout à Oui. l'heure, là, en métal. Donc, tu vois, avec trois personnes, on obtient le résultat que vous voyez à l'écran. C'est Ouais, on rigolo. a toutes les pièces du puzzle qui s'assemblent. Ouais, Travail collégial. tout à fait, ouais. Voilà. Maintenant, on va repartir donc sur la fameuse deuxième partie du travail que moi j'aimerais bien réaliser, qui est donc un des trajets des survivants de Mu, que James Churchward appelait les Naakals.
Alors moi, le trajet que j'aimerais raconter, il ne passe pas dans les terres. C'est-à-dire, c'est pas arrivé en Inde, puis après ils travaillent, enfin ils travel et ils arrivent jusqu'en Égypte. Nous, concrètement, on est arrivé par l'Afrique du Sud. Voilà. Et on est remonté jusqu'au Caire, ce qu'on appelle aujourd'hui le Caire. Alors là, juste pour expliquer très très rapidement, ça c'est vraiment le souvenir des vêtements qu'on avait à l'époque. On était vraiment sur ces vêtements-là, avec le petit diadème au-dessus, le machin, le bidule. Et là, alors ça c'est une construction mentale. Je me suis dit, on reconnaît assez facilement les fameux, enfin les très célèbres symboles égyptiens. Et je me suis dit, et si c'était pas une phrase, mais plutôt un schéma, genre un schéma IKEA, pour monter un outil. Et du coup, j'ai pris tous ces symboles et je les ai mis en forme d'outil, qui donne un espèce de bâton, lance, on ne sait pas trop. Ouais, bah moi C'est voilà. audacieux. Ça me paraît très cohérent parce que c'est ce qu'on voit sur Oui, des pardon. bas-reliefs égyptiens. Et on se demande toujours qu'est-ce que foutent ces trois objets ensemble à l'ouas à gauche, la croix Ankh au milieu et le djed, le pilier. Alors le triangle, ça, non, ça, C'est la pyramide, enfin c'est l'idée de la d'accord. pyramide. Mais les trois autres, en tout cas, eux, ils sont représentés très souvent. D'ailleurs, on a l'impression que parfois, il y a un bâton comme ça, comme tendu, comme un micro, comme s'il y avait une fonction presque de vocale. Ensuite, bah, pareil, Anton Parks, encore plus, on parle comme étant peut-être le bâton qu'aurait utilisé Moïse pour permettre, alors en plus avec l'Arche d'Alliance, de faire séparer la mer Rouge en deux pour la traverser. Donc il y aurait une fonction technologique effectivement à travers ces trois objets dont les égyptologues ne savent pas expliquer du tout la fonction aujourd'hui. Bon, encore une fois, je reviens sur mon idée, parce que c'est un petit peu une idée fixe chez moi. Je crois qu'il y a pas mal de représentations qui ne sont pas là pour illustrer une phrase. Non, non, c'est pour Allez. moi très clairement de la description d'un outil, comme ici. Là, c'est ce dessin-ci et celui-ci, c'est un dessin qui est vraiment qui est un vrai dessin, un vrai hiéroglyphe. Alors, je suis désolé, mais moi, quand je vois ça, je vois pas une espèce de truc au dieu bidule. Je vois surtout un genre d'outil de communication. Très clairement. Après, je peux me tromper. Hein. Juste peut-être. Oui, ah, si, parler de ça, c'est plutôt pas, enfin, pas mal. À en croire ce témoignage. Donc, à la fin, on arrive donc vraiment à la fin du trajet donc de ces survivants. On arrive sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Caire, qui ressemblait pas à ce qu'on voit aujourd'hui. Les pyramides, elles n'étaient pas comme ça, ni dans ce sens-là. Enfin, non, peu importe. La reine du coin était, ben, comme on le voit à l'image, crâne allongé, vraiment type africain, noir africain. Et alors, ce qu'il y avait d'assez dingue pour nous, hein, qui arrivions, c'est qu'ils étaient très clairement affiliés à la civilisation qui avait créé tous les bâtiments dans lesquels ils vivaient. Par contre, ils ne savaient même plus lire les inscriptions qu'il y avait sur leur propre temple. Ils avaient presque tout perdu. C'était assez dingue. Bah, il suffit d'une ou deux générations hein, pour que parfois le savoir il disparaisse. Alors, Donc s'il y a des grosses c'est... catastrophes. Ouais, sauf qu'à mon avis, l'histoire, elle s'est pas passée par rapport à ça. Parce qu'à un moment donné, parce que nous, très clairement, le site était affilié aux Atlantes. Très clairement. Quand on est arrivé, hop, pour nous, c'était les machins Atlantes. Et on a posé la question. On a dit, ah, les Atlantes? Et les mecs, ils nous répondaient jamais. Ils étaient là, ils nous regardaient, ils disaient, t'as pas faim, toi? Moi, j'ai faim. Allez, on va manger. Et il y avait une espèce de tabou. Truc, et on n'a jamais su où étaient passés les Atlantes. Est-ce qu'ils se sont fait virer coup de pompe dans le derrière? Est-ce qu'ils les ont gentiment égorgés? Est-ce qu'ils sont partis tout seuls? On n'en sait rien, on n'a jamais su. Et ça, c'est la question que je voudrais C'était peut-être passer pas prévu, hein. à l'excellent Fabrice Bianchin, qui a notamment travaillé sur le projet LUSAC, l'intuition au service de l'archéologie, Ouais, et qui va qui était très. sur le chat tout à l'heure, notre ami Ah! Fabrice, et qu'on salue lui Fabrice, aussi.
Et qui, ben, c'est assez drôle parce que quand on a commencé à échanger tous les deux, rapport à une des tablettes du projet Lussac, si vous regardez sur les pages, sur la page Facebook, vous trouverez l'illustration en question. Comment, je sais que lui, il travaille justement sur le côté inverse, c'est-à-dire l'exode des Atlantes. Vers, enfin, plutôt que, enfin, ouais, c'était assez drôle de voir ça. Moi, je travaille sur l'exode des humains et lui travaille sur l'exode des Atlantes. Et du Mais coup, je alors... serais vraiment curieux de savoir s'il a une idée de ce qui s'est passé, en fait. Qu'est-ce que, quoi? Parce que, Encore comme je des vous dis, travaux qui vont se compléter. j'ai hâte. En plus, je travaille avec une illustratrice qui est vraiment très, 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 très douée. Qu'une hâte, c'est de voir l'ouvrage. Donc voilà, on arrive très clairement à la fin de ce que j'avais à raconter par rapport à Mu. Juste, voilà, je vais essayer de prononcer correctement cette phrase qui vient du maoré. Kawa arawa e wale wale ka aere tonu. Ce qui se traduirait par ne jamais oublier et transmettre. Très clairement, pour moi, si je dois retenir une seule leçon de cette mémoire-là, de cette information-là, c'est que je crois que notre société ressemble fortement à celle qui était à cette époque-là. Et qu'on n'est pas loin de recommencer à faire la même erreur. Putain, les mecs, on a failli flinguer la planète. On a changé l'axe de la planète. Je pense qu'une fois, c'est suffisant. Ça serait peut-être bien qu'on s'en rappelle pour essayer d'éviter de recommencer. Il me semble. Parce que vraiment, là, ce que je vois, ouf, oh là là, c'était, ouais, on est vraiment très proche de ce que c'était au niveau géopolitique à l'époque. Et quand je vous dis, hein, on est loin de la vision mirifique de Mu de l'Atlantide, non, non, c'est vraiment, c'était pas beau à voir. Voilà, pour le plaisir des yeux encore, la version en couleur, avec les petits moai, tels qu'ils auraient dû être. Avec leurs yeux posés, leur chapeau. Et enfin, dernière partie, vraiment pour les Nuréens, ça j'ai voulu garder pour Nuréa, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu parlé d'extraterrestres, mais pas beaucoup. Maintenant, voilà, une des petites théories. Alors, selon Anton, ce sont les reptiliens, pour d'autres, c'est une autre espèce, peu importe. J'ai envie de dire peu importe. Donc, avant qu'Homo sapiens sapiens ne soit là, première rencontre entre Néandertal et. Les êtres venus des étoiles. J'attire votre attention sur les deux petits vaisseaux, un qu'on voit relativement bien et un tout petit. Alors, attention, zoom. Oui, il y a bien un bonhomme dans l'avion. Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est ça. Et le petit vaisseau Siga, enfin petit, éloigné, qui creuse dans la montagne et qui va pour créer une. Comment dire, une base, voilà, une base creusée à l'intérieur de la montagne, ce qui nous amène à cette planche-ci. Donc, second contact, la visite d'un des Néandertals à l'intérieur de la. À l'intérieur. Je Il y a vais l'air peut-être faire un. perturbé. Ouais, ben c'est surtout qu'il regarde un écran. Attends, je reviens, il regarde, en fait, c'est ça qu'il voit. Il dit, mais c'est quoi Ah les. oui. Oui, parce qu'ils n'en étaient pas encore là, les gars. Du coup, Néandertal, je ferai un tout petit crochet. Alors attendez, excusez-moi, il faut que je ressorte. Voilà. Tout ça, c'est tout sauf une vue de l'esprit. Je m'entends. Je ne dis pas que j'ai un souvenir antérieur et c'est ah, c'est la vision que j'ai eue. Non, non, non. Là, c'est une représentation avec les connaissances scientifiques que l'on a aujourd'hui sur ce que l'on sait de Néandertal. Néandertal savait faire de la corde. Néandertal savait tisser. Néandertal savait travailler des outils extrêmement complexes. Ici, vous avez une lance d'époque. C'est vraiment une lance d'époque de Néandertal. De la même manière, on est très loin de l'être parfaitement idiot qu'on essaye de nous vendre. Je vous invite, ne me croyez pas sur parole. Je vous invite à aller sur le site internet. Alors, c'est le site internet du Muséum national d'histoire naturelle. Vous allez dans le moteur de recherche du site. Vous allez taper conférence autour de l'exposition Néandertal. Et là, vous avez une série de conférences. Je n'ai fait que représenter ce que l'on sait de Néandertal.
Après, tout le reste, le vaisseau, ça, hein, on est C'est pendant d'accord. la conférence du musée. Ah non, 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 tout à fait. C'est étonnant. Pourtant, Ah moi, je non, pensais non, non, non. les Non, mais c'est archéologues déjà un peu bien. plus ouverts. Ouais, moi aussi. Hein, quand même. Non, mais les mecs, non, mais là, vous cherchez trop, là. Enfin, voilà. Là, si vous voyez peut-être avec le en fluorescent, il y a des petits symboles. Yoga. Fais du yoga, ouais. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être une aide pour faire du Alors, yoga. en tout cas, Ah, c'est non, mission. mais c'est dans le sens, c'est une forme de concentration et de méditation pour actionner des mécanismes. Ah, mais oui. Bah, ça, c'est dans l'ufologie, on en parle assez régulièrement, hein, de l'outil télépathique pour commander les vaisseaux, les outils et tout ça, quoi. C'est même omniprésent, quoi. Tout ça pour parler. Encore une fois, merci Nuria d'exister, parce que voilà quelqu'un dont je n'aurais jamais entendu parler sans Nuria. Et vraiment, merci Nuria. C'est notre ami Ludovic Bonin. Ludovic Bonin, rédacteur en chef du magazine Icaris. C'est ça. Qui fait un travail magnifique, énorme, qui est un puits de connaissances vraiment phénoménal. Ah ouais, c'est clair. Et il a fait cette conférence donc sur les fameux drones californiens et où j'ai très clairement piqué les symboles. Là, c'est du fauchage pur et C'est simple. ce Mais qu'on vu qu'il y a appelle un personne qui réemploi. revend... comme personne ne revendique la paternité, j'ai dit bon, Bah, allez. c'est le rapport Carrette, c'est ça, dans lequel on C'est voit les ça, symboles. exactement. Exactement. Exactement, exactement. Bon, c'était les Voilà. États-Unis, à mon avis, tu peux piquer. Hein. Oui. Ouais, ouais. J'aurais Moyen. tendance à partager ton point de vue, Romain. Franchement, au bout d'un Moi, je suis... moment. ouais, moi, je travaille plus dans la question du droit à l'image et ouais, je suis Alors moyen. là, oui. Écoute, si tu vois des hommes en noir débouler chez toi pour te réclamer des droits d'auteur, faut pas venir. Avec Ah, un crâne énorme! Le avec un fisc crâne des Men in allongé et Black! puis trois doigts. Ah! Putain! Ça t'apprendra à mentionner Will Smith dans tes diapos. Hein. Mais toute proportion gardée, c'est pas Thierry Germain qui apparaît de ça, juste je fais un petit écart dans le témoignage extraordinaire Oui! l'année dernière, il n'a pas Les évoqué le fameux hommes fait en qu'il y avait noir. un homme en noir qui était venu chez lui à Ouais. Cusco. Je sais plus s'il était Voilà. en noir ou C'était s'il pas un était homme en habillé noir, bizarrement. mais il a eu une Ah. visite étrange. C'était pas en noir, d'accord, ok. Mais ceci dit, petite parenthèse, mais le dossier des hommes en noir est un vrai dossier. Oui, Avec il y a, oui, y a Robert Ménard qui pas Robert Ménard. Où est-ce que tu nous emmènes? J'ai oublié son nom, mais Joël Ménard, Ah ouais. l'ancien rédacteur en chef de Lumière dans la nuit, qui a notamment écrit un super livre sur les hommes en noir. C'est un dossier qui est assez incroyable aussi. Donc Tout à méfie-toi, fait. moi Octa, tu n'es pas à l'abri d'avoir une Bon. visite d'homme avec des lunettes. Wow. Moi, je suis un petit illustrateur français, au bout d'un moment, Laissez-le je suis pas sûr que ce tranquille. soit avec moi Et d'ailleurs, que. j'ai des lunettes. Voilà, juste pour le plaisir encore une fois des yeux. Donc, ça, c'est l'image que j'ai utilisée pour la couverture du livre. Alors, ça, c'est une construction complète et totale. Cet endroit n'existe pas. Du coup, j'attire votre attention sur au-dessus des colonnes, il y a des petits bonhommes. Voilà les petits bonhommes. Comme des veilleurs. Ouais, plutôt comme des mecs qui tapent la parlotte, quoi, plutôt. Ouais, tu Ah regardes, il y en a une, on dirait, mais qui, genre, soit elle est amoureuse, soit elle se fait chier comme la mort. L'autre qui la regarde, machin, y enfin en a voilà, un qui quoi. a un Ouais. joint là. Non. Non, non, je crois pas. Je suis pas sûr qu'ils fumaient, les mecs, à l'époque. En tout cas, ils ont l'air en position d'observation et du ciel et de ce qui se passe autour. Hein. Juste avant de peut-être de lancer des questions, s'il y en a, faire un tout petit rappel de vous trois, de votre travail magnifique, de votre aide. Les gars, merci, merci, merci et remercie. Mon Manu, mais dès que tu peux, dès que tu te sens de le faire, fais-nous une émission sur Nuria. Au pire, Romain ou peut-être moi ou quelqu'un d'autre viendra pour t'aider. Regarde, Romain est venu ce soir m'aider. C'est Non, génial. et puis Merci Romain. puis vous savez, j'ai encore mordu personne. Alors tout à l'heure, d'ailleurs, en parlant de Manu, quelqu'un m'a dit, pourquoi tu fais le troll, Guillaume, en parlant de tes doutes sur certains trucs de Manu. Et je me dis, mais les gens, faut arrêter de. Oh, on a encore tous le droit d'avoir nos points de vue.
Je crois que je me suis exprimé assez clairement sur le travail de Manu pour dire tout le respect et l'admiration que j'ai pour son travail. Ça n'empêche pas, les amis, qu'on a tous le droit d'avoir des idées différentes, d'émettre des doutes sur certaines hypothèses. Sur Nuria TV, on ne fait que ça à longueur de semaine, d'envoyer des théories. La moitié des gens de la planète nous entendraient sur ces théories. Soyons francs, ils nous enfermeraient tous. Donc, ils nous brûleraient. Donc, on se permet d'aller dans des hypothèses osées. Je suis sûr qu'une bonne partie des hypothèses qu'on aborde sur Nuria à travers tous les intervenants qu'on reçoit, eh ben, mettent le doigt sur des choses qui sont proches de la réalité. C'est pas pour ça qu'il faut adhérer à tout. De la même manière, les amis qui nous écoutent, c'est pas pour ça qu'il faut adhérer à tout ce qui est partagé dans toutes nos émissions, que ce soit ce soir, que ce soit avec Jean-Pierre Petit, Thierry Jamin, Elisabeth de Caligny ou autre, parce que si vous croyez à tout ça, vous ne pensez plus par vous-même. Donc restez, quoi qu'il en soit, libre de penser, et ça n'empêche pas d'avoir un immense respect, comme le respect que j'ai ce soir pour vous deux, les amis, qui êtes venus sur Nuria, parce que le truc que j'adore avec des gens comme vous, c'est qu'on a affaire à des passionnés. Et ça transpire la passion, et à chaque fois que vous prenez la parole, moi je suis comme un gamin, je vous écoute, un gamin qui a quand même un esprit critique, mais qui est quand même l'esprit grandement ouvert, et ça c'est grâce à des gens comme vous. Donc encore une fois, moi j'invite tout le monde à faire la part des choses, on peut être critique et quand même admirer, avoir du respect pour le travail des gens, et ce soir c'en est vraiment la preuve. Moi, je vais prendre un exemple très bête, même si je crois fortement aux visions que tu as eues, Mohokta. On n'a tous aucun élément tangible pour le vérifier. Ça n'empêche pas de laisser son esprit ouvert et que dans le champ des possibles, je laisse une grande part de possibilité au fait que tes visions mettent un doigt sur une réalité qui a existé. Et en plus, tu nous les partages avec un talent d'artiste qui rend la chose assez merveilleuse. Et donc, un grand merci. Merci. C'est très gentil. J'ai du mal avec les compliments, je vous le dis tout net. Hein. C'est pas que je veux. Bon bah, je t'en fais pas alors. Voilà, merci. Et avant qu'on ne poursuive, les amis, comme on a un petit différé sur le direct de 20-30 secondes, si vous avez des questions à poser à Mohokta ou à Romain ce soir, n'hésitez pas à les poser sur le chat, j'en sélectionnerai une ou deux pour finir cette émission. Peut-être aviez-vous d'autres choses à rajouter, messieurs, Mohokta? Juste rappeler vraiment très rapidement, comme je disais, donc, le travail de Manu, le travail de Franck Ferrandis, qui est juste exceptionnel. Et là, encore une fois, vraiment, j'ai un immense respect pour l'artiste, pour le penseur, pour le camarade. Et est-ce que pour autant je prends pour acquis tout ce qu'il présente? Non. Vraiment, je te rejoins à 4000%, Guillaume. Ne croyez pas les gens sur parole. Essayez de vérifier, essayez de confronter vos idées et de voir. Concrètement, nous, ce qu'on présente, ce sont des théories. On est là pour en discuter. On n'est pas là pour venir vous marteler le crâne. C'est moi qui ai raison. Ou c'est moi qui ai le meilleur copain imaginaire. Non. Concrètement, non. Oui, c'est de là que naît la connaissance, d'ailleurs. C'est dans la confrontation des idées. Enfin, si tout le monde était d'accord, on n'avancerait pas. Quoi. Donc, on est toujours obligé de... Pardon. Ça va, il est 23h, c'est bon. On a le droit. Même si on n'est pas d'accord, enfin, voilà, on a encore la liberté de pouvoir le dire, encore, qu'on n'est pas d'accord, d'ailleurs qu'on a des visions différentes. Mais effectivement, je rejoins aussi Guillaume sur l'idée que quand ça s'appuie sur des preuves concrètes et tangibles, et c'est tout le sens du travail que je peux faire par ailleurs, on peut après imaginer des choses. Mais tant qu'on n'a pas à 200% la preuve qui démontre que c'est vrai, on reste dans l'hypothèse, la conjecture, et puis ça nous permet de rêver aussi, puis de sortir d'une certaine histoire qui peut être ennuyante par ailleurs aussi. Mais si on peut joindre l'utile à l'agréable, on va pas se priver, les amis. Mais encore une fois, je suis sûr que ça fait 6 ans que j'ai la chance de co-animer ce média avec Nora. Je suis sûr qu'il y a énormément de sujets, de dossiers abordés qui touchent du doigt certaines réalités et qu'on n'est pas là tous en train d'être dans un délire collectif, en train de compter des licornes. C'est vraiment, vraiment là-dessus j'insiste. Mais dans cet univers-là, il faut quand même garder son sens critique et le faire surtout. Et je réagis parce qu'il y avait ce commentaire où il y avait ce mot troll. Les trolls sont des gens qui sont dans un manque total de respect, qui prennent même pas le temps. Je pense que si on exprime respectueusement à quelqu'un
les doutes qu'on émet sur des hypothèses qu'il met en avant, on est dans quelque chose de constructif. Tant qu'on est dans quelque chose de constructif, c'est qu'à mon avis, on est sur la bonne voie. Oui, il y a une histoire de façon de le dire, en fait, c'est ça, le ton employé. Et ce qui peut, on peut très vite être dans l'invective et l'injure et la colère sur les réseaux sociaux, notamment, alors que le sens premier n'était peut-être pas celui-là. Mais en fait, voilà, c'est la dérive aussi de la façon quand on écrit sur un chat, qu'à un moment donné, c'est interprété d'une certaine manière, tout à fait. Peut-être à l'origine. Et ça, c'est la complexité aussi des réseaux sociaux, hein, tout simplement. Et puis, ne pas oublier qu'on tout est fait pour qu'on soit amené à penser de manière binaire, noir, blanc, vrai, faux. Je pense que la diversité des créatures et des êtres que tu nous as montré ce soir à travers tes dessins, Mokhta, prouve bien qu'il y a tout un panel. Et dans, dans la pensée, c'est la même chose. On ne peut pas passer du vrai au faux. Il y a un entre-deux. Juste mon Guillaume, avant que j'oublie, parce que alors c'est une véritable gageure, on a parlé des ovnis et j'ai oublié de parler de plusieurs personnes. La première, c'est un intervenant que vous avez eu sur Nua et qui a parlé de moi sans que vous sachiez que c'était moi. C'est Monsieur Franck Morin. Oh ben. Moi, quand j'entends dire, on parlait justement des haters et des choses de genre, je ne suis pas un grand partisan de la piste ufologique. Je m'explique, c'est très simple, c'est au-delà de mes visions, que ce soit de vie antérieure ou de plan astral, moi dans ma vie d'avant, j'ai jamais vu d'OVNI, jamais, rien du tout. Si je suis venu à me questionner sur la question de l'ufologie, c'est par ce qu'on appelle l'archéologie mystérieuse, parce qu'elle y fait référence. Il y a des liens. Mais concrètement, l'ufologie, elle s'est invitée dans mon domaine de prédilection. Et du coup, donc Monsieur Franck Morin, moi je l'ai croisé. Alors c'était le festival. Moi, il y a mémoire des noms. Ah, c'est une horreur. Ils vont encore m'en vouloir. C'est OVNI Languedoc. Voilà. C'était une conférence pour OVNI Languedoc. Punaise, l'arbre belote. Je me souviens plus la localité. Bravo. Toujours est-il. Dans le Languedoc, on va dire. Franco. Voilà, exactement. Donc j'ai croisé Monsieur Franck Morin et là j'ai compris qu'il manquait très clairement d'aide et qu'il était un petit peu tout seul pour faire notamment les questions d'analyse d'image. Là, je suis allé le voir et je lui ai dit, mais est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une prime analyse d'image? Parce qu'après, il faut bien comprendre une chose. Moi, ça me fait rien quand sur les dossiers ufologiques, on sort « Ah, mais vous n'avez pas fait d'analyse d'image en laboratoire !» Oh, qu'on soit bien clair, les gens, là, c'est 1500 euros minimum une analyse d'une image. Alors, une question de vidéo, une question d'achat, je crois que vous ne vous rendez pas bien compte de combien ça coûte et que les mecs, ils sont tout seuls. Donc, du coup, plutôt que de vouloir leur cracher dessus, apportez-leur votre aide. N'attendez pas. Moi, Franck Morin, voilà, à un moment donné, il avait des questions par rapport à des images de la NASA. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas leur mécanisme, leur protocole de création d'images, ben voilà, on ne le sait pas et c'est bien normal. Je vois dans quelle émission il a parlé de toi maintenant. Ça y est, ça me revient. Ça fait 20 piges que je suis dans le métier. Donc, effectivement, il y a 2-3 trucs que je connais. Voilà, et c'est pour ça que moi je suis ultra honnête dans mes dessins, où je vous dis, ça c'est pour moi de la construction mentale, c'est de l'imaginaire, on est là-dessus. Le reste, je suis désolé, ça n'en est pas. Ça m'amène à parler aussi d'un très très bon ami à moi, que vous connaissez très très bien sur Nuria, ce monsieur, Stéphane Royer. Oui. Eh bien oui, on a fait 2 émissions cette année sur suite à la sortie de ce livre. Monsieur Stéphane Royer, président des Repas Ufologiques France, président des Repas Ufologiques Paris, qui est un homme que j'ai rencontré. On a eu un énorme coup de cœur l'un pour l'autre. Ouais, c'est... Du coup, par l'intermédiaire de Demian, on s'est retrouvé à rencontrer une nouvelle magnifique personne qui est Hugo Soto, avec qui j'ai le plaisir, alors trop rare ces derniers temps, parce que trop à fond sur le livre, j'en suis désolé, vraiment. Je peux pas me démultiplier les mecs, je suis vraiment navré. Toujours est-il, on a ouvert, ou plutôt réouvert, les repas ufologiques Montpellier. Et qu'on a, nous, en tout cas avec Hugo, quand on a commencé à discuter de ce qu'on souhaitait faire dedans, nous l'idée c'était vraiment d'ouvrir, de laisser un espace de parole. C'est-à-dire un endroit où les gens puissent parler, tout simplement. Moi, j'ai eu la chance de voir Alexandre. Oh, j'ai oublié ton nom, je suis désolé.
Monsieur Consolatio, il avait fait un morceau, c'est un musicien, Alexandre, je ne me souviens pas de son nom de famille, je suis désolé, un musicien génial, il nous a fait part de son témoignage, et surtout il nous a fait un mini-concert d'une heure, juste avant la conférence. Oh, c'était génial. Son morceau Consolatio, je le recommande, il est énorme. Et donc voilà. Vous organisez les repas UFO sur Montpellier maintenant? Alors, pas tout à fait à Montpellier, à Juvignac. Mais du coup, c'est juste à côté de Montpellier, c'est accessible en tram, tout ça. Enfin, d'accord. C'est, si vous êtes intéressé, on a créé une page Facebook exprès. Voilà. Voilà. Repas UFO. Donc, gros bisous les amis. Comment s'appelle la page Facebook? Repas ufologique Montpellier. Très voilà, c'est noté, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Ça, c'est des bons moments passés. Et tu as bien fait de citer ces deux chouettes ufologues que sont Franck Morin et Stéphane Royer. Vraiment deux personnes passionnantes. Et là aussi, on a affaire à des passionnés. En général, ça va de pair, passionné, passionnante. Ça fait un bon tandem. Les amis, pour finir cette émission, si vous voulez bien, on va prendre une question ou deux. La première, c'est une question de Sirius. Vous me donnerez tous les deux votre avis, si vous en avez un. On a le droit de ne pas en avoir aussi, c'est une option. Qui vous demande, est-ce qu'il y a un lien entre Hyperborée et Atlantide Mu? Je te laisse commencer, mon Romain. Attention, vous avez 2 heures. Allez, je te laisse dans la merde. Bon, en tout cas, moi, ça renvoie de toute façon aux écrits de Blavatsky et de la doctrine secrète. Donc dans laquelle elle fait toute une hiérarchie des ce qu'elle appelle les races au sens de changement d'évolution de l'espèce humaine, où du coup elle fait la démonstration que ces différentes races auraient vécu à chaque fois donc des temps immémoriaux, hein, notamment en Hyperborée, en Lémurie et en Atlantide. Et là je peux renvoyer à l'émission qu'avait faite Damian sur le sujet, sur les 7 races. Et du coup, la personne en apprendra beaucoup plus que ce que je vais raconter là. Mais le mot Hyperborée, de mémoire, il vient vraiment de Blavatsky. Et donc, c'est avant la Lémurie et avant l'Atlantide, en termes d'évolution des races. Mais c'était il y a très, 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 très longtemps, et sans doute dans le nord de l'Europe, au niveau de la localisation géographique, dans les glaces. Voilà, moi je suis désolé, je laisse uniquement cette réponse parce que je n'ai aucune information. D'accord, bah, écoute, merci Romain pour cette réponse. Et la deuxième question, elle est pour toi, Mokhta. Il y a Joyce qui te demande, est-ce que tu as déjà vérifié sur place tes visions comme l'ont fait par exemple Anton et Annel Parks? Tu nous aides tout à l'heure qu'on parle d'une civilisation qui a 40 ou 80 000 ans. Ouais, qui remonte. Alors concrètement, non, au sens strict du terme. Déjà par manque de moyens, se déplacer dans le Pacifique, c'est pas si évident que ça. Après, je serais heureux si un jour je pouvais y aller. J'ai ma petite intuition que très certainement je trouverai des choses. Très certainement. Oui. D'accord. Ce qui reste, il y a encore des îles qui sont de l'époque. Très clairement. Alors, vas-y. Vas-y. Non, mais je suis allé sur l'île de Pâques il y a 6 ans, et en fait, en allant là-bas, je pensais vivre un truc génial. Alors, au-delà de la fait d'aller voir les moai, de prendre des photos, j'ai vraiment ressenti quelque chose de pas du tout cool, à faire des cauchemars, notamment je voyais un cheval mort en état de décomposition. Et certaines légendes parlent du fait que le cheval serait aussi un des symboles de l'Atlantide, alors peut-être aussi de Mu. Et j'ai croisé une médium italienne là-bas qui m'a dit la même chose, qu'elle se sentait très mal sur l'île de Pâques. Alors en plus, c'est une île c'est une île uniquement volcanique et avec un niveau de magnétisme très important. Donc effectivement, quand tu es un peu sensible en allant là-bas, tu peux avoir des ressentis qui sont pas aussi géniaux que ce que tu peux imaginer avant d'y aller. Voilà, c'est mon expérience là-bas. Ça arrive aussi, des fois on s'attend à des expériences énormes, et puis ça peut être aussi tout l'inverse en termes de ressenti des exactement. Énergies. Exactement, enfin, c'est exactement ça pour moi sur les deux. Et puis il faut pas oublier les coups de soleil aussi, ça plus ça, non mais il manque plus que la tourista. Une dernière question pour tous les deux, les amis. C'est Manu qui nous laisse un message, qui vous demande, question pour Romain et Yvan,
Est-ce que vous êtes prêt pour voir de l'art caché fin mai et peut-être faire un petit rapport pour Nurea sur site? Qu'est-ce qui se passe fin mai? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, concrètement, en discutant via les réseaux, tous ensemble, hein, tous les quatre, à un moment donné, j'aimais l'idée, je dis, ah, ça pourrait être super sympa si on pouvait se faire un de ces quatre, un resto tous les quatre ensemble. Et de là, on a nos deux copains bretons qui sont montés la tête tout seuls et qui nous ont prévu ce qu'ils appellent un brace tour. Voilà. Oula. Donc, on y va à la fin du mois. Voilà, voilà. Je pense qu'on va, on va bien se marrer, on va bien voir des sites. C'est surtout Manu qui a prévu l'itinéraire et les sites parce que lui, il est sur place. Alors, moi, je suis breton d'origine, mais j'y vis pas ou très peu. Enfin, c'est depuis les allers-retours depuis 15 ans. Donc, c'est lui qui va vraiment nous caler tout l'itinéraire. Et l'idée, bah, effectivement, c'est d'aller vérifier sur place les fameux comment, bah, ce qu'ils voient, ce qu'ils dessinent. Hein, parce qu'il y a des jeux de lumière aussi qui permettent de temps en temps, hein, de voir et de ne pas voir les choses gravées sur la roche, de voir des dolmens, des menhirs, Karnak, etc. Avec Franck Ferrandis qui, comme en plus, est très calé sur ces sujets-là. Ouais, voilà, on va faire une semaine en Bretagne sud. Ça devrait être assez sympa. Du côté du Morbihan, Karnak, voilà, Karnak et compagnie. Quelque part, ça répond peut-être à la question qu'il y avait juste avant. Est-ce qu'on allait voir sur site? Ben là, ben on là, va vous être allez sur, voir site, sur site. Et tous ensemble. Sur l'un des plus beaux lieux de France. Enfin, s'il Karnak faut, et les environs, c'est. Ouais. S'il faut la prochaine émission dans laquelle vous nous verrez, ça sera perdu de recherche. J'appelle Lionel Camille. En plus, il est pas très loin. Il est pas très loin de cette zone-là. Mais il y a Howard Kreuers qui est pas très loin non plus. Bah, Howard, ouais. Il est à côté de Karnak. Non, mais il y a plein de gens intéressants. Et puis la Bretagne, même moi, j'ai des racines. J'ai des racines bretonnes c'est une des plus belles régions de France, pour ne pas dire la plus belle. Mmh, ouais, il faut dire les choses parfois. Hein. Jouer de la flûte, hein. Allez-y, jouer du bignou, les mecs. Allez. Non, mais à Montpellier, ça ne peut pas rivaliser. On ne va pas se lancer là-dedans. Non, mais rigole pas, bon, mon rêve, c'est de déménager en Bretagne. Ah non, mais c'est vraiment... Je salue tous les amis de Bretagne parce que c'est vraiment magnifique. Et ceci dit, si vous retrouvez Manu et que vous visitez Karnak et autres, peut-être qu'il vous en dira un petit peu plus sur sa phrase énigmatique de tout à l'heure et sur ses mégalithes. Est-ce qu'il y a des choses à voir dessus qu'on n'aurait pas vu? Donc n'hésitez pas à ramener des infos et quelques photos, je serais curieux. On va faire ça. On va essayer en tout cas. Merci d'avance. Après, si je me disais, moi, au pire, ce qu'on pourrait faire, hein, on peut peut-être parler de ça hors émission. Non, je on me va disais faire, que peut-être plutôt bilan. Que de faire un genre live ou quoi, on pourrait peut-être faire un enregistrement qui pourrait passer comme une des émissions, vous savez, témoignages extraordinaires. Ah. On pourrait peut-être faire ça. Ça pourrait être sympa. Je suis preneur. On va en rediscuter. Quoi qu'il en soit, nous voilà arrivés à la fin de cette émission, les amis. Merci infiniment à tous les deux de nous avoir rejoints. J'étais ravi, Mohokta, de t'accueillir pour la première fois. Et puis Romain, bah, j'ai envie de dire ravi aussi, mais t'es un petit peu comme à la maison maintenant. Non, je suis pas encore atelier, mais enfin, je reviens bientôt. C'est ça qui est drôle. Bientôt, c'est lui qui va faire la régie. Et je vais et pour parler de choses qui sont voilà, forcément en lien avec ce que Mohokta racontait ce soir. Donc ça va faire une belle suite. Là, dans je sais pas, quelques semaines hein, environ. Ouais, mais ça, là, l'émission que tu vas enregistrer avec Nora, comme on en a parlé, sera diffusée certainement sur le début de l'été. Et il y a plusieurs émissions qui vont tourner autour de ces thématiques. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à suivre sur le mois de juin-juillet sur Nuria TV, les amis. Je ne vous en dis pas plus. Mais en tout cas, Romain, on t'attend avec impatience. Bah, écoutez, je serai au rendez-vous. Mohokta, Romain, prenez soin de vous. Et puis, bah, je vous dis à très vite sur Nuria TV. Salut Guillaume, salut à bientôt. Tout le monde. Les amis, merci à vous. Vous étiez oula ce soir, il y avait full sur le chat, sur le live. Les statistiques ont explosé. Merci à tous, vous êtes restés jusqu'au bout. Merci pour votre bonne humeur sur le chat. Merci de rester fidèles, entre autres, à Nuria TV. Les amis, prenez soin de vous, gardez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.